house now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. If you quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yep. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Bonjour à tous, rebonjour, j'espère que vous avez bien mangé. Attendez tout de suite, je change la sauce, voilà. Hein? Mais qu'est-ce que tu me fais? Non. Voilà, on est bon. J'ai remarqué que la catégorie n'était pas faite. J'avais marqué en titre de live des flingues et un gungeon, et Twitch n'a pas voulu le lancer. Parce qu'a priori, flingue est un terme qu'il ne faut pas utiliser sur Twitch. Voilà. Merci Twitch. Ah là là. YOLO, exactement. Hop, on est bon. Salut Goldust, bonsoir à toi. Ça va Sundraco? Reniflax, reboubou. J'espère que vous avez bien mangé ce soir. Alors, c'est une nouveauté pour moi. Salut Watt, comment vas-tu? Pistolet et flingue. Pistolet, ok, flingue, non, exactement, c'est ça, Niflex. C'est ouf, hein. Bon, bah maintenant on le saura pour la prochaine fois. N'écrivez pas flingue dans Twitch en titre de live, ils aiment pas ça. J'ai un DVD d'Avatar là qui traîne. Vous voulez l'Avatar? Alors, attendez, tiens, ça va vous intéresser ça. Je vais débrancher ça. Voilà. J'ai reçu le splitter HDMI. Et pour l'instant, ça marche pas. J'ai bien le signal de la console
Giveaway. Non, non, mais je rigolais, c'est une blague, je le garde évidemment. C'est un Blu-ray 3D que je me suis acheté il y a bien longtemps. À l'époque, on achetait encore des Blu-ray. Et donc, pour le splitter HDMI, il semblerait que ça ne fonctionne pas comme il le faudrait. J'ai un problème avec des Hertz ou quelque chose, je sais pas. Je vais regarder un petit peu sur internet pourquoi ça fait ça demain matin ou mercredi, je pense, pour essayer de trouver un problème, d'où vient le problème. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le problème de HDCP, donc de copyright, est débloqué. Mais il faut encore que je fasse des tests. Donc je testerai. Là j'ai testé avec le Elgato HD60S. Je testerai aussi avec l'AverMedia qui est là. Vu que j'ai deux appareils de capture, tant qu'à faire. Et au moins tenter de te faire les tests avec les deux. Tout simplement. Ça m'engouste. Donc pour le splitter HDMI, pour l'instant, c'est pas probant. Voilà. Ça m'ennuie un peu. C'est pas probant. J'espère pas avoir dépensé 15 € pour rien. Faudra que je le retourne. Ce serait dommage. Et où mon support de téléphone là pour mon stream deck téléphone, il est là. J'ai vendu un fossile à 5500 clochettes. Et ben voilà. Voilà ce qu'il faut faire, Bobou. Vends tes fossiles. Si, Mango, c'est une solution qui marche plutôt bien et qui est connue en fait. Toutes les personnes que je connais qui font du live PlayStation 3 ou des choses comme ça, ou des vieilles consoles, utilisent un splitter. Donc ça fonctionne pour pas mal de choses. Là, le problème, c'est pas tant le splitter il fonctionne. Alors soit le splitter est de mauvaise qualité, soit pourtant c'est un splitter bah, il vaut 15 € mais il est recommandé par tout le monde. Soit le problème vient de la configuration vidéo de la PS3 et dans ce cas-là il faut que je fasse des tests. Là je me suis amusé à faire ça là après manger avant le live. C'est pour ça que j'ai décalé d'une demi-heure un petit peu le live. Mais j'ai pas réussi à avoir un truc où je voulais vous montrer que la tournée PS3 elle tourne et tout, mais j'ai pas réussi parce que ben ça tourne pas. Mais c'est pas grave. Alors ce qui se passe, c'est qu'habituellement je joue sur à Enter the Gungeon avec la Switch. J'ai décidé de me prendre Enter the Gungeon sur Steam. Et en même temps j'ai acheté Exit the Gungeon, donc la suite. Qui est en scrolling vertical, ce qui est intéressant. Peut-être qu'on l'essaiera aussi un de ces quatre. Mais ce qui fait surtout que du coup, je vais faire Enter the Gungeon sur PC et pas sur la Switch. Donc, ce qui va changer, c'est que j'ai une souris pour viser. Alors, je peux toujours prendre la manette Xbox si je veux ou la Switch, mais je vais tenter un peu à la souris pour voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'à la souris, j'avais du mal avec la manette Pro Switch, j'avais du mal J'avais du mal à tirer et à viser correctement. Je me dis que peut-être que sur le jeu, à la souris, ce sera. Ouais, c'est plus fluide. Voilà, exactement, Nuflax. C'est le but recherché en tout cas, donc on va voir ce que ça donne. What, j'espère que tu vas bien et Atmos aussi. Voilà, petit message en passant parce que je sais que vous êtes là. Ok, pas juste Splitter alors, faut qu'il retravaille le flux, soit une carte graphique externe, donc 50 E, fait les tests, ouais, parce que là, j'ai pas d'infos, mais ça paraît chelou. En fait, je suis pas censé retravailler le flux, hein, c'est du flux HDMI classique à balancer. Après, il n'y avait pas le son. Il n'y avait pas le son avec le Splitter, soit il n'y avait pas le son avec mon outil de. Mon outil Elgato, soit il n'y avait pas le son avec le splitter, je sais pas. Faut que je fasse plus de tests en tout cas. Bon, pour l'instant, on a encore Link Awakening à terminer demain et sûrement jeudi, donc on est tranquille. Au pire des cas, j'ai réussi à avoir le son sur Mini Ninja. Donc, au pire des cas, le Ratchet, Ratchet & Clank, on le diffusera plus tard et on partira sur du Mini Ninja tout simplement. On devait avoir internet aujourd'hui, Atmos a reçu un message, mais here we go again. Sérieux? Oh là là, je suis désolé pour vous, Atmos. Tous les jeux de tir se jouent de base à la souris. Me demandez pas comment on peut réussir à jouer à code sur PS4 à la manette. Je suis bien d'accord, Niflax. Mais dis-toi que Atmos, par exemple, ben, il joue très bien à Warzone à la manette. Et pendant très très longtemps. Après, tu dis ça, Niflax, mais les Halo. Les Halo, les premiers et beaucoup d'épisodes de Halo.
Xbox, quoi. Et tu joues à Halo, tu joues à la Xbox, hein. Enfin, y a pas photo, quoi. Même si franchement, je préfère la manette, hein. Ouais, Atmos, il arrive à gérer la manette de sa PS4 avec Warzone, plus la 4G. C'est juste. C'est un dieu. Voilà. C'est pour ça que je le prends dans ma team Warzone, hein. Qu'est-ce que vous dites? Et si on allait regarder un petit peu ce Enter the Gungeon? Mais ouais, t'es Atmos, ouais, je. Mais tout va au top. Oh, bon, bah, ça, c'est tant mieux. Et aussi, Brackets aime trop me troll, hein. Je suis au bord de la crise. Brackets. C'est qui, Brackets? Tu as Kingdom New Land et Moonlighter avec la manette. Ah, bon, tu vois. Avant qu'elle me lâche. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit qu'elle t'avait lâché pour la Switch, hein. C'est le Nunchuck? Non, ouais. Non, non, je les connais, c'est le. Pas les Nunchucks, ça c'est la Wii. Il y a beaucoup de demandes d'aide à cause de ça. Même opérateur. On dirait pas, là, on a mais. Il n'y a pas d'infos. Mais en vrai, Mangousse, moi aussi j'ai eu le problème, hein, à cause de travaux sur les réseaux internet, à cause d'Orange. C'est Orange qui faisait les travaux. Mais bon, moi ça s'est résolu. Après, je sais pas. Allez, tous chez Free, les gens. On n'a plus de problème. voilà. Pop, pop, pop. Elle est bien cette musique. C'est pas une officielle, c'était une faite en Chine. Ah ouais, mais non, mais Niflax. Dépense 60 balles dans une manette officielle. Tu seras largement gagnant. Même si les premières versions de manette étaient pas ouf. Alors, normalement, j'ai préparé la scène avec le jeu, je l'ai lancé, j'ai testé. Ça devrait pas trop être dégueulasse pour vous. J'ai le son des alertes, pour information, j'ai trop tard, une autre connexion. Oh, oh là là. C'est pas grave, Niflax, pour la prochaine fois. Quand celle-là répétera aussi. Donc normalement. Ouf, voilà, vous avez la capture. Bon, j'étais dans les configs. Hop, voilà. Et voilà. Vous avez le son, c'est pas trop fort. J'ai baissé un peu le jeu. Donc j'étais en train de faire les configs. Ouais, je me suis mis en fenêtré pour facilement switcher d'un écran à l'autre. Les commandes, j'ai pas touché. Alors par contre. Ah ouais, attendez. Ça va le son là? Ouais, j'espère. Je crois qu'ils profitent du mouvement pour mettre leur réseau à la 5G, ce qui fait des dégâts. Ah! Ah, il y a moyen, Mangoose, qui profite de ça pour. Et puis du fait qu'il n'y ait plus personne dans les rues, les choses comme ça, pour améliorer leur réseau. Un an! Une manette qui dure un an, c'est pas mal. Mais moi, mes manettes, elles durent à vie en général. Alors, sauf quand je les ai trop bousillées moi-même, mais. Ah, j'ai pas l'habitude de d'éviter avec le kick d'eau. Alors, c'est. Clic. Attendez. Clic, il faut avancer et clic droit pour éviter, d'accord. Et tirer, bon ça c'est classique. You, oh c'est marrant ça. Je te tire dessus, je te tire dessus, je te tire dessus, je te tire dessus, je te tire dessus. Ok. Bon, là y a rien, vous voyez, parce qu'il y a rien de débloqué, parce que c'est un nouveau jeu. Voilà, comme si je recommençais du début. Ça me gêne pas plus que ça en vrai. Hein. Franchement, j'avais fait pas mal d'heures sur la version Switch, mais pas tant que ça non plus. Comment je lui parle? Ah. T'as un Shiba saucisse, je sais plus la race de ces chiens. Oui, c'est ça. C'est pas un Shiba, c'est un. C'est. Mince, c'est le chien d'internet là. Un Dodge. Tiens, tiens, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Laisse-moi deviner, vous venez de changer le passé, c'est ça. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. On l'a eu la dernière fois ça. Péter le boulon ZL en rageant sur. Ah bah, ah bah, Anifac. En multi? Mais t'es fou de faire du multi. Les chiens de la reine d'Angleterre. Ah, un corgi! Ah ouais, moi je pense que c'était un Dodge. Mais ouais, c'est un corgi, peut-être bien. Mais Dodge, c'est un corgi, non? Les chiens de la reine d'Angleterre. C'est vrai qu'on a, la reine d'Angleterre, elle a fait un film où il y a ces deux corgis qui sont apparus. On est obligé de faire la salle d'initiation parce que, comme je recommence depuis le début, je suis obligé de passer par là. Donc, comme ça vous mettra à l'avoir.
Dodge, c'est un Shiba. Dodge, c'est un Shiba? Ok, très bien. Donc c'est un Corgi alors qu'il nous a tué. C'est bien les chiens de la reine d'Angleterre. Oh. Arme grecque assistante. Approche et appuie sur E pour engager la conversation. Je suis le chevalier Manuel. Il s'appelle Manuel. Écoute mes paroles et je t'enseignerai comment survivre dans ce labyrinthe maudit. Passe cette porte pour débuter ton initiation. C'est un peu comme si on recommençait le jeu de zéro, hein. C'est drôle. En avant de l'audace. Alors, essaye de renverser ces tables. Ok. Ah, le E, ça va pas être pratique. Hein. C'est des Shiba saucisses, oui. Manuel. Ok, passons à ton prochain défi, voyageuse. Très bien. Hop. Ah mince. Qu'est-ce qui se passe? Voici la leçon la plus importante. Tu peux exécuter une roulette d'esquive en appuyant sur le clic droit et sur une direction en même temps. Ouais, ça on connaît, on va pas... Hop. Go pour le savoir-faire du chaton. Oh. Je n'ai pas très bien... Peut-être pas très bien compris. Quoi? Alors quoi? Ah, c'est bon. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà. Chut, les hot dogs. Ça va, le son est pas trop fort. Je vais baisser un peu le son encore, peut-être. Voilà. Passage est bloqué, exécuter une roulade pour sauter par-dessus le trou. Ouais, bon, ça on connaît. Non, c'est les TKL, les hot dogs. Ouais, les TKL, c'est les chiens hot dogs. Chut, c'est des hot dogs. Mais déjà, mon petit toutou, là, il m'a abandonné. Hein. Donc, tu dois réussir un ultime saut pour prendre ton appel au bon moment. Bah là, maintenant. Voilà. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Hot dog, c'est déjà réservé. Oh là là. Corgi. La roulade d'esquive est le meilleur moyen de ne pas mourir lors d'un échange de tir, mais parfois il arrive tout simplement trop de balles à la fois. Et donc c'est impossible d'esquiver, il existe cependant un moyen d'exploiter la voie. Ah oui, on a des balles à blanc. Je vois tellement chaton avec un TKL. Ben, en vrai les gens, je vous jure que le TKL, j'ai voulu en adopter un. Il n'y a pas longtemps. Et... Et en fait, ben, il était déjà pris. Il était déjà pris, donc j'ai pas pu. Alors, utilisez-le en appuyant sur Q. Non, attends. Comme ça. Mais un chaton avec un tekel. En vrai, quand j'étais bébé, j'avais un tekel. Enfin... On avait un tekel dans ma famille quand j'étais bébé. Et elle s'occupait de moi. Ils sont moins allergènes au fait, vraie question. Les tekels, je sais pas. Mais je suis pas allergique aux chiens. C'est vachement intelligent en plus. Hein. Oh ouais. C'est très familial. C'est très lié à la famille. C'est très attaché à la famille. Le seul problème, c'est que ça peut facilement avoir des maladies. Dû à leur petite taille. Et ça c'est dommage. Ça fait un peu mal au cœur quoi. On trouve aussi parfois des détours dans la couleur de Gungeon, mais je ne compterai pas trop sur ça si j'étais toi. C'est bon, on peut tirer maintenant. Comme tous les chiens. C'est pas faux, Mangouste. J'ai pas eu assez de chiens dans ma vie. Je m'en suis pas assez occupé et j'étais pas assez responsable d'eux pour vraiment connaître en vrai. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qu'on attend? Tu maîtrises les bases, voyageux, je crois que tu as mérité une petite récompense, une arme qui convient mieux à quelqu'un de ta stature et de ton expérience. Ah bah voilà. Oh non! C'est le lance haricot. R, d'accord. Classique. Ah si, il y en a qui sont très indépendantes de race de chien. Tu es sans froid, tu es sans pitié. Mais qui sont attachés à leur maître et pas forcément à la famille générale, je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Tue tous les ennemis de la chasse pour débloquer les portes. Ok, très bien.
Petit pois. Ce bruit de petit pois quand on recharge. Non, en vrai, non. D'accord. Hop là. Piste au poids. Dans ta version, Niflex. Ah, attention. Mais c'est sûrement le piste au poids aussi, là. Attends. Faut que je regarde. On y va. Ah, raté. Quoi? Toi, cette chose de l'autre côté, c'est un téléporteur. À partir du moment où tu as trouvé, tu peux revenir à tout moment, sauf quand tu es en train de te battre. Affiche d'abord la carte en maintenant tir enfoncé. Très bien, allons-y. La dictée? Hein? Comment on affiche la carte? Ah, tab. Oui, merci. Pour joindre n'importe quel téléporteur sur la carte, pas juste ceux qui sont dans la même salle, mais ils ne fonctionnent pas pendant les combats. Bon, pourquoi dans ta version Niflex, t'as une version différente? Là, c'est préféré des bébés. Le tir petit pois. Ah, là, c'est le tir petit pois. Ah, dans la version... Ah, vous avez pas les mêmes noms dans la version québécoise? Bien joué, Boubou, félicitations. Des GG à Boubou. Ah ouais, c'est trop marrant. J'adorerais voir les noms de tes armes, Niflax. Parce que déjà, moi, j'ai des armes avec des noms marrants. Et je sais que les... Enfin, c'est toujours drôle de voir la différence entre les versions canadiennes et françaises. Que ce soit dans l'un ou l'autre, les deux sont marrants. L'arme préférée des bébés semi-automatiques. Traditionnellement offerte aux Gungeon Wars lors d'un arrivée dans le donjon incroyablement faible. Non, je pense que c'est parce que je joue sur Epic Games Launcher. Tu penses? Parce que pour moi, c'est les mêmes armes. Ah, peut-être sur Switch aussi alors. Je sais pas. Là, c'est sur Steam. Hein. Enfin, c'est la même version normalement. Ouch! C'est sûrement un détail. Ouais, mais c'est drôle. J'ai oublié que je jouais à la souris. Oh, attendez. C'est pas censé pouvoir péter ça. Ah non, ça marche pas avec les armes illimitées, je crois. Pourquoi il pleure? Pourquoi tu pleures? Attendez, je suis sûr on peut le casser ça. Oh non! Ah oui, l'AK, parfait. Attendez. Appuyez sur left control pour changer d'arme. Non, je peux changer comme ça, c'est plus simple. Il te faut les espèces de balles bleues. Hein? Non, je les ai, les balles. J'en ai une de balle à blanc. Je crois pas. Hein. Le saint qui stream pas mal sur Hunter the Gungeon m'avait dit que il fallait des armes non illimitées pour péter ces trucs-là. Mais a priori ça marche pas. Tu veux que j'essaye là? Ah, t'as raison! T'as raison, Niflax. Incroyable. Oh, c'est quoi? C'est mon chien! Ah non, c'est un petit vieux. Bouclier du vieux chevalier. Lourde et vaste expérience.
Tire grosse poids. D'accord, très bien. Ça faisait un moment que j'avais pas joué. Non, non, bien joué, Nifax, t'as complètement eu raison. Après, on est dans le dans la partie de... Oh non, c'est un petit vieux. Ouais, c'est clair. Je pleure tout le temps de toute façon. Ouais, Boubou, il pleure souvent, c'est vrai. Ah, on a un boss à ce niveau. Viens me voir quand tu voudras affronter ton ultime défi. Bah, maintenant. Espèce d'idiot. Ah, il faut l'affronter lui. Ah, mais c'est le... Le petit vieux, le cadavre du petit vieux qu'on a vu, c'est son cadavre à lui. C'est le cadavre de Manuel. Il a la même moustache, pas la même barbichette. C'est quoi ça? Oui, du stuff, de l'argent. Je spawn pas, tu spawn pas. Oh, il est facile. Oui, il est très facile. Attends, ce bouclier. Tu as trouvé mon bouclier, ce qui signifie que tu connais à présent mon terrible secret. C'est vrai, je n'ai jamais conquis le Gungeon. Je ne suis même pas vraiment sûr que nous soyons dans le Gungeon. Kémission, tout ça, c'est la faute de cette canaille. Ce serpent de Blockner. Nous étions censés être dans le même camp. Mais peu après mon arrivée, on m'a tiré dans le dos. De l'argent. Eh oui, de l'argent. Ça, cette police d'écriture. Quand j'ai repris conscience, j'étais enfermé dans une sorte de coffre. J'ai appelé à l'aide, mais personne n'est venu. Je suis sûr que c'est lui qui m'a tiré dessus. Je crois qu'il voulait l'arme pour lui tout seul, mais il n'a pas dû réussir. Parce que si Blockner avait changé le passé, il ne serait jamais venu au Gungeon, et moi non plus. Donc, comme je suis encore ici, il a dû repartir bredouille. Money. Ou alors il est prisonnier Gungeon lui aussi, ce qui serait bien fait pour lui. Si tu le trouves, donne-lui bonjour de Manu, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Bonne chance avec le Gungeon et ton passé. Hop là, on est good. Here we go. Voilà, monsieur Corgi là. Quoi encore? Après cette mission, vous pouvez pénétrer dans le Gungeon. Bah merci. Faut juste ajouter un espace entre chaque lettre. Ah, d'accord. C'est comme ça que tu fais. Ça me perturbait à chaque fois. Je me disais, mais attends, il fait quoi? Comment il fait ça? C'est malin. Et puis ça permet d'être. Ah! Faut que je m'habitue hein, à tirer avec la souris quand même. Perdre deux cœurs là-dessus, c'est nul. On va aller en haut. Ok, on est parti. Alors la première journée de travail de tout le monde là. Mango, t'as repris le travail toi? Ça marchera pas pour tout, attention, il n'y a pas qu'un bot. Lol. Effectivement, Mango. J'ai plein de bots. Non, c'est faux, j'ai plein de modérateurs. Ça fait du bien. Ah, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Et si je ne m'abuse, il y avait Atmos aussi qui a repris le boulot. Ah, mais non, mais je pouvais continuer là.
Ok. Je me suis fait remonter les bretelles un peu, on me demande de remise en question, mais la réflexion a été rapide. Hein? La réflexion a été rapide, bah, tant mieux. Et si ça t'a fait du bien, c'est que c'était une bonne journée quand même. Oui. Cœur de glace. Ça fait quoi, cœur de glace? Recharpe. Tire petit pois à rejoindre la bagarre. Le home du vieux chevalier a rejoint la bagarre. Bouclier. Ok. Et ça? Froid passif. Tire des projectiles glacés lorsque le porteur subit des dégâts. Très bien. Pourquoi pas. Nice, Draco. Ton level sera prêt pour mercredi. Pour une fois que je peux vraiment aider à un projet commun, quitte à changer mes habitudes, un peu comme ici. Ouais, c'est nice, Mangouste. Et donc normalement, c'est... Ouais, là, je peux pas tirer parce que c'est mon arme... Ah, peut-être que je change les touches quand même, parce que je suis pas très à l'aise. Et donc là... Ouais, on a qu'une seule solution. C'est cool, Sandraco. Et alors, du coup, l'éditeur... T'as rejoué une vie, vous voulez? Hein? Oh. Non, il faut une clé. Ça t'a rajouté une vie, tu veux dire? De quoi tu parles? Oui, j'ai une vie en plus, ça j'ai vu. Mais c'est ça qui m'a rajouté une vie, non? Fais les compagnons, trouve des objets quand une salle est nettoyée, tiens compagnie. Non, ça c'est mon compagnon. Ah, ce cœur de glace a été arraché à un puissant géant. Ah, ok. Merci, Boubou. J'ai pas lu jusqu'au bout. Oh, foiré. Lui c'est pas grave parce qu'il fait pas de dégâts. Bah on verra ça. Ouais, je vais continuer par là. Allez. Ok, j'en ai eu un et le deuxième il est où? Non, il est bon. Ok. J'irai vos messages entre deux salles, hein. Boss. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Où est-ce qu'il est? Non! C'est ça le pouvoir de la glace. Ok, c'est nice. Il y a des dents par terre. Là-bas, je peux pas y aller. Ah, une clé. Ça, ça pourrait être utile pour le coffre qu'on a trouvé tout à l'heure. Ok, je suis nul. Ce jeu est génial, Mangouste. Avec la souris, c'est pas évident parce que j'ai vraiment obligé de me concentrer sur la cible et pas sur moi, alors qu'habituellement je me concentre sur mon personnage pour éviter les tirs. Là c'est le contraire. Parce qu'il faut que je regarde où ma souris, je mets ma souris pour savoir où me placer ma main.
Alors qu'avant, en fait, j'avais juste à tourner le joystick dans la bonne direction et ça faisait le taf. C'est une arme, ça? Cartouche tir de fusil. D'accord, très bien. Tu devrais... Ouais, ouais, je commence à m'y habituer. Ça va. On va aller... Attends, on n'a qu'une seule clé. C'est l'heure d'aller faire des emplettes. Ah mais attendez, je suis bête. Est-ce qu'on l'ouvre maintenant ou on garde la clé? On garde la clé. C'est que la souris, mais j'ai l'habitude des shoots ce meuble dans ce mode. Niveau game design, etc. Ils sont trop bons. Ah, yes. Oui, à tout de suite, Boubou. Ok, on va voir si ça marche. Ok, on est dans la salle avec le secret. Pour la première fois, je vais pas le faire, je pense. De toute façon, il a cassé le tonneau, non? Ouais, je sais pas. On va pas aller dans le niveau secret tout de suite. Ah, mais il y a une vie. Il y a une vie. Attendez. Elle est où? Ah, elle est là. Ouais. Laisse faire ta vision périphérique. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, Angus. J'ai pas l'habitude. Ok, on a tout fait. La forme. L'arme qui a la forme d'une balle. Winiflex. Et qui tire des fusils. T'as eu le fusil à t-shirt, c'est pas mal. Alors, les demi-coeurs, ça peut être bien. L'armure, c'est top. La clé, ça peut être bien, mais on a rien à ouvrir en vrai, donc c'est pas très grave. Y'a que ça. Le Mega Main, on n'a pas assez de toute façon. Le Phoenix. Le Phoenix, c'est bien parce que c'est pas le tir de fusée, ça, normalement. Mais ils sont où les balles à blanc? C'est quoi ce vendeur qui a rien là? Armure? Right. Ah, Phoenix White, ok, très bien. J'ai compris. Je suis encore derrière parce qu'on m'avait offert ce jeu. Je les ai installés un jour pour bouger. J'ai jamais pu lire la salle. Ah merde, c'est dommage. Encore plus que c'est. Oui, Sun Draco, ça c'est clair et net. C'est pour ça que j'en fais jamais. Qu'est-ce que je fais? Moi, je prends ça. De toute façon, c'est la première fois. Merde! Oh punaise. Les touches! Je voulais appuyer sur tab. J'ai beaucoup trop passé de temps sur une console. Ah oui, gêne, génial. Ah, c'était Grumpy. Bah, redemande-lui, il va te le filer, il l'a encore. Hein. Il joue encore beaucoup à Enter the Gungeon. Canardeur. Non! Ah, j'y arrive pas! Ah, ça fait trop bizarre! Ah merde, c'est vrai! C'est mort! On l'a eu! Oh punaise! Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, Char. Oh la vache. Je me suis donné du mal, hein. Oh, merci pour les GG. C'était pas évident du tout, hein. Franchement. Petite clé, ça fait du. Oh, 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 oui! Le lance-planète! Quoi? Accrétionneuse, la musique des sphères. C'est le lance-planète, ça. En fait, Niflax, j'ai remarqué que c'est pas... Ouais, effectivement, sur le jeu, c'est pas les mêmes noms que... sur la version Switch, non plus.
C'est le lance-planète, ça, non? C'est facile encore. Oui, pour l'instant, c'est facile. Tire des répliques de planètes issues d'un système solaire fictif. Ouais, c'est pas les mêmes dialogues que sur la Switch. Ok, why not? Un jour, à ce qui paraît, un jour, j'ai eu l'arme la plus cheatée du jeu, qui était le... Enfin, une des armes les plus cheatées du jeu. Qui est le trident. Et je l'ai même pas utilisé parce que parce que je sais pas. C'est pas les mêmes gens qui ont bossé dessus. Bah si, c'est le même code. Mangouste. C'est juste du portage qui a été refait. Ils ont pas refait le jeu, hein, quand même. Ah, de français vers français? Mon PC il lag à cause du... C'est sérieux? Bon, je devrais pas trop avoir de problème. Pourquoi ce serait des versions différentes entre le français PC et le français Switch? Oh, je sais pas. Mise à jour peut-être. On a 33 de... Mêmes équipes au même moment. D'accord. D'accord, ça me paraît bizarre qu'ils aient fait ça. Parti pour le deuxième stage. Un endroit où je suis allé rarement. Déjà avec la Switch. C'est tout con, ouais. Ouais. Ah ouais, ça fait des dégâts quand même. Merde. Pas du tout, ça n'est. Pas du tout. Juste pour info, le chien, il peut chercher des objets dans le sol s'il y en a. Ouais, oui, je me souviens qu'une fois, il m'en a déjà trouvé un. Mais c'est rare. Ah non, pas eux. Pas eux, pas eux, pas eux, pas eux. C'est bon. La balle est plus efficace contre plusieurs ennemis car les fusils tirent lorsqu'ils touchent un ennemi. Ok, d'accord, merci chat. Aïe! Pourquoi je vais là en vrai? La clé d'or, les... Punaise. Je suis mal barré, hein. Non, mais elle qui travaille sur les salles. Ah, je savais pas que t'avais un projet comme ça, mon goût. C'est nice. Les yeux se rechargent pendant. Glaçon, 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 glaçon. Ah, les objets se rechargent pendant qu'ils sont actifs, passifs. Si tu savais, mais ok, je suis un peu... Ah, mais ça fait un bail que tu m'en as pas parlé alors. Ici, j'ai toujours pas réussi à l'activer ce truc-là. Ah, si, il faut acheter le machin et tout là. Non, il faut ramener l'objet de la salle secrète du niveau 1, je crois. Ah oui, c'est un vieux truc, d'accord. Merde, hein. Ouch! Oh non! Il m'a atterri dessus.
Enfile-toi mes lunettes. Cette frappe orbitale, t'as vu ça? On n'a même pas utilisé le pistolet à planète, quoi. Un de mes préférés, je suis dégoûté. Mais écoute, peut-être que avec Grumpy, déjà, s'il veut bien, et avec son avis, peut-être ça, c'est cool, ouais. Hein? Bah, j'ai déjà essayé de travailler avec Grumpy, mais il a ses propres projets, tu sais, Mangouste. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement compliqué. Ah, de films? Ouais, c'est quasi pas. Enfin, ça n'a pas grand-chose. C'est pas pareil que la BD. Mais on s'en rapproche un peu. Voilà, elles sont pas si clean que ça, mes lunettes en vrai. Ok, bon. Alors, Space rejoue directement. Ça va se retourner à la brèche. On garde le même perso. Sauf si vous voulez renvoyer Corgi à sa niche. Ok. Bon, on est reparti, genre. Quoi, direct là? Direct le magicien de brun? Quand même là, Grumpy, mais c'est pas son délire. Mais écoute, comme je dois avoir un fil rouge, j'ai ça comme critique, c'est bien. Hein? Ok. Un courage, Mangouste. Ok. Attendez. Oh la vache. Il est où l'autre? Je vais creuser une histoire, j'ai des critiques, c'est le moche. En fait, c'est ça. Ah oui, d'accord, je vois très bien. Après, une critique, ça reste une critique, mon gosse, ne l'oublie pas. Hein. Tu peux faire tes propres choix aussi. On descend par là. Oui, c'est toujours bien d'en avoir. Ça peut aider. Multiplication de table. Nice. Plein de tables. Attends, il y a un truc au milieu là. Ah non, là-bas. Oui, oui c'est ça, mon gousse. C'est vrai. Ah, j'ai une clé. J'ai des clés même. On l'utilise. Ouais, on l'utilise. Oh. Ah, je me souviens de ça. C'est quoi déjà? Les cadavres explosent. Ah oui, c'est ça. Le problème, c'est que ça va me faire mal. Ok. Allez. On va voir. C'est quoi ton nouveau passif? Ça fait. Quand je tue un cadavre, il explose. Quand il y a un cadavre, voilà. Regarde. Attends. Non, c'est pas ça. Les moustachus, en cas, vous avez des tips. Là, hein, on écrit des trucs. Les cadavres explosent, actifs. Ah, le passif. Multiplication des tables. Ça multiplie le nombre de tables.
Augmente brièvement la puissance de feu lorsqu'une table est renversée. Ah non, c'est encore mieux que ça, c'est génial. Transporte le souvenir d'un mauvais malheureux dont la douleur et l'agonie a été si forte qu'elle répond, c'est que les corps de ceux qui viennent de mourir. Bim. Comment ça, et bim? Ok. Très bien. Donc faut que je descende une table pour tirer, pour mieux tirer. Oh! Il y a un effet de ralentissement. Oh! Oh, c'est stylé! Aïe! Merde. Vous avez vu l'effet? Attendez, regardez. Ça vient mode ralenti. Paf, paf, paf. C'est excellent. Y a pas le tonneau d'eau ici. Le problème c'est que sur les boss il n'y a pas de table. on n'a pas trop le choix. Recharge entre les salles. Ouais. Bah, c'est fait déjà. Ah non. Merci. Je pensais que c'était déjà fait. Merde. Ah c'est fini. Ce fut tellement rapide. Mec qui abuse de ce pouvoir. Ah, attendez, il a trouvé un truc. Merci pour la clé. Merde. On veut rien mon petit? Non? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bienvenue. 30, 58, pas mal. Demi-cœur 20. Bala blanc 20. Bon, et on a deux clés. Attends, là on est bien. Là c'est une bonne partie les gens. Super Mario World, c'est le meilleur Mario 2D avec sa musique, j'adore. Il est top, hein. Ça fait plaisir de l'avoir dans... C'est fini déjà? Ok. C'est bon, c'est fait, très bien. Et de la vie, ouais. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Le fusil de l'hémélonie réglementaire. Hein? Fusil de l'hégémonie. Réglementaire semi-automatique. Arme réglementaire de tous les combattants de l'hégémonie humaine. Bonne puissance de feu, mais précision approximative typique de la technologie de l'hégémonie. D'accord. C'est un gros flingue. On va l'essayer un peu. Eh, le marchand! Il est où le marchand? Il est pas là, le marchand. Si je fais un... Ok, c'est nice. Très bien. Ah, bon bah c'est fini. Y a plus nulle part, y a nulle part où aller. Go là. Attendez, ça c'est 25, ça c'est 30. Et là j'en ai déjà 4 des balles à blanc. Oups, pardon. Ok.
On a qu'un flingue par contre. Hein. Alors, ça va être un combat très long. Ah bah c'est le même. Pour l'instant ils sont sympas avec nous. Bah comme quoi le coup des tables ça a été utile. Ouais j'ai dit ça tout à l'heure c'est vrai. Mais avec lui il y a des tables. Mais les autres il n'y a pas de table. Merci pour les GG. Attendez ça fait quoi ça déjà? Qu'est-ce qu'on a récupéré de beau? Acquis sous la table semi-automatique. Marshall du Grand Néant. Compact mais très précis, le marchand du grenier est très apprécié et contrebandier. D'accord. On a fait pour les zézés. Zézés Satan. Ah, bien joué, Sané. Il y a Sunlight sur tel. Ok. Oh, elle est pas mal cette arme. Il y avait plein de tables. Pas que sur tête, t'inquiète. Ah bah oui. T'as tout capté, chef. Oh non. Ça fait quoi ce truc là? Attends, il y a un coffre, hein? C'est dommage, les munitions sont. Ah, il y a un coffre effectivement. Mais c'est un coffre fermé, je peux pas l'avoir. Ah si, j'ai une clé. Tonneau, rien de plus simple. D'accord, très bien. On va passer par là, hein, tant pis. Ah ! Ouh, la morse originelle. Le tromblon. Le masque de clown. Oh, ça coûte cher ce truc-là. Demi-cœur 24, punaise. Le précieux.
Oui, le précieux, mais il est 110, hein. Alors j'ai bien fait de garder ma thune de tout à l'heure, mais je suis pas sûr que... Nous feras-tu une soirée sur les jeux les plus durs sans parler de putaclic qu'on connaît, mais pour le fun? Y'a que moi qui s'amuse, peut-être. Les jeux les plus durs? C'est quoi une soirée sur les jeux les plus durs? Tu veux dire que je joue aux jeux les plus durs? Savez, pour moi, tous les jeux sont durs. Même Adibou, c'est dur. On m'a volé mes armes. Fine. Céleste en Odash. Il faut que je fasse Céleste, je l'ai d'ailleurs. Oh non, pas elle. Salut Yaya! Bonsoir à toi, comment vas-tu? Mais tu étais avec nous tout à l'heure. Hop là! Il est vieux comme tout, ou simplement le jeu le plus monde, le plus dur du monde. Tu parles de E.T., ils veulent absolument que je fasse un E.T. sur le live. Ou c'est quoi celui avec le mec? Non, 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 on l'a déjà fait en live celui-là, Mangoust. Je le refais pas. C'était avec qui je l'avais fait en live? Avec Sanae. Et je sais plus. Je sais plus qui y avait sur le live à ce moment-là. On était pas nombreux. Ah, ok, pas de soucis, Léa. Merci à toi d'être passé. Le nom du jeu, c'est le jeu le plus dur du monde. Ah, ah bon? C'est vrai? C'est vraiment son nom de jeu? Non, mais je le connais pas en fait. Oups, oups, oups. Il y a un sniper. Pourquoi il n'y a pas de table dans cette salle? C'est quoi ton level, chaton? Hein? Mon level Mario Maker? Ou alors là, bah trouve-le, je sais pas, tu pourrais me trouver dans mes amis, non? Voilà, well, Arthas Game. D'accord. Il y a vraiment un jeu qui s'appelle comme ça. Les mecs, ils ont peur de rien. Non, s'il faut un cadenas. Ah! Je crois. Oui, je l'avais mis sur Discord, je crois. Ah merde, j'ai plus de clé pour libérer la meuf. Et son gros soldat. Attends, non, il faut une clé spéciale, je crois. Et là, c'est le marchand chelou. La dévoreuse refuse d'avaler cette arme. Ouais, je sais. Merci.
Hop là. Et là, c'est la salle où il faut mettre le l'objet que j'ai jamais réussi à mettre. En vrai, ça entraîne bien la souris. Mais c'est qu'un exemple. De quoi le. De Hazard's Game ou ce jeu-là? On a tout fait? Non. Il nous reste deux salles à faire. Ouais, comment? Ah ouais, mais avec un demi-cœur, merci bien. Salut Lucas! Il y a un masque de Payday. Non, c'est un masque de clown. Oh non! Oh, je l'ai eu! Non! À la fin du live, j'ai plus de moustache. Ah, pièce. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Tant, 20 minutes seulement? J'ai l'impression que ça fait une heure que je suis dessus. Peut-être pas choisir le meilleur perso aussi pour jouer à la souris. Ça fait que une heure, Sanae, tu sais. Non. Oh. Attendez. Ah, c'est dommage, je voulais libérer. J'aurais dû acheter la clé et aller libérer directement l'autre. Qui est prévenu un live codename cette semaine. Colda, salut à toi. Ma foi, j'en ai pas mis au planning. Mais il est vrai que tant que Sanae est là, c'est vrai qu'on pourrait en profiter. C'est à vous de voir. En vrai, je vais faire la demande sur le Discord si vous voulez un live ou pas. Code name. Mercredi, ouais, mercredi midi du coup. Mais je n'avais pas prévu de faire le live le mercredi. Bonjour Dorco. Après c'est que une heure donc c'est pas gênant. Bah je vous tiendrai au courant sur le Discord les gens, s'il y a un live code name ou pas. On n'avait pas prévu au départ, mais si vous êtes intéressé, demain midi sinon. Non, demain je peux pas. Demain j'ai trop de live prévu, ça n'est, je vais être crevé. Ouais, t'as un truc de prévu mercredi midi, ça n'est. Non, je veux mon pouvoir en retournant les tables. Pas de soucis. De toute façon, j'ai dit que je demanderai sur le Discord s'il y a des gens ou pas. Si vous êtes que 3 sur le live, ce sera moins intéressant. Mercredi, c'est toi, c'est bon pour toi. D'accord. Bon, Gold, du coup, Goldest, je vous tiens au courant demain sur le Discord. Donc, je sais qu'Yaya, il aime bien. Il y avait qui ? Todd aussi, je sais qu'il aime bien. Ah, il a trouvé un truc. Merci. Mais je suis déjà full munitions. Pour être informé, hein ? Oui. Est-ce qu'il y a une commande pour le code ami Switch ? Ouais, Switch.
On peut faire deux teams comme ça. Ouais, on peut même préparer peut-être la team avant. Je sais pas. Tu veux rajouter plus de mots, Sanae, sur le... Ah, il m'a volé mon... Sur le... Plus de mots en rapport avec notre univers et les moustachus sur le... Sur ta liste... D'ailleurs, il faudrait que tu me la donnes, ta liste. T'inquiète, je m'en occupe. Ah, ok. Merci, Sanae. Mais Gold... T'es arrivé en avril? T'es venu sur un live Codename, toi, non? Je sais plus. Oui. Oui. Oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus, évidemment. Je vais pas faire le tour boutique tout de suite, tout de suite. Alors, chambre tortoise. Oh, Mangouste, là, tout le monde peut participer. C'est avec le chat directement. Non, j'ai loupé le live. Ah, t'as loupé le live. D'accord. Et bah, dans ce cas, Gold, ça me ferait plaisir d'en refaire un. Avec toi et les autres, peut-être. On va essayer d'organiser ça, d'accord. On va organiser ça. Chambre forteresse du Seigneur du Plomb. On va peut-être faire un Discord spécial jeu de société en vrai sur le. Enfin, on en a déjà un, mais. Faire un channel. Après, ça fait trop de channels. Il y a un channel JDR qui s'est créé là. On pourrait pas le renommer en jeu de société global. Un plaisir, Gold. C'est vrai qu'en plus c'est bien, c'est un live sympa à faire, donc moi on aime bien, j'adore ça. Et puis en plus on joue avec le chat, c'est juste formidable. JDR c'est JDR, c'est JRD. Ah bon, d'accord, très bien, très bien, très bien. Si vous tenez à votre salon Discord, je le laisse tel quel. Il y a une mission quelque part. Ouais, bon. Je trouve que ces lampadaires sont vraiment moches. Enfin, voilà. Enfin, ce lustre, pardon. La dissidence de Sharp et Angoust. Allez. Non mais en vrai, les jeux c'est les jeux, et s'ils me demandent de JDR pop dedans, ce serait cool. Bah, je vais voir ça avec vous. Comme vous avez créé le salon dans la précipitation. Il est pas très actif. Silence. Silence. Ah mince, merci. Ça m'avait manqué ça, Charbilon. Waouh. Eh, je commence à me sentir un peu plus à l'aise là avec le jeu. C'était pas des lampadaires, je sais. Putain, il faut redescendre tout ça. On l'a fait avec Guigui parce qu'il avait un scénar, mais effectivement le salon dont d'or et ça reste du jeu de société. Voilà, c'est pour ça que je proposais ça, Mangouste. Parce qu'en fait je veux aussi éviter qu'on ait 300 000 salons qui dorment, tu vois. Donc tant qu'à faire, autant mêler les différents salons ensemble. Je crois que j'ai utilisé une clé. Ouais. Ok. Corde d'évasion fonctionne partout. Elle fait quoi?
Une table pour vous évader d'une salle sans issue. Une autre pièce de l'équipement standard de tout aventurier rendu moins nécessaire. Hein. Comment je fais pour les utiliser ces armes-là? Attendez. Il m'a pas appris ça. Option. Commande. Clavier souris, ouais, d'accord. Modifier, config, manette, commande, balade. Interagir, recharger, utiliser carte, âme survivante, objet, menu arme, lâcher arme, pause, inventaire. Hein? C'est contrôle quelque chose, non? Droit clic gauche, commande. Touche. Touche, touche. Blé, quoi? C'est faux? Ça arrête juste aussi. Salut Badgone, comment tu vas? Les JDR Sharp font partie des jeux de société, hein, de la catégorie jeux de société. Recharger vers le haut, ben là. Bonsoir à toi. Qu'est-ce que j'ai raté là? Non, j'ai rien raté, très bien. Bras. Blé, biais, bras. Ça va mon Goust? T'as. Tu trouves plus tes mots? J'aime bien toi. Nickel, nickel, nickel. Je suis en train d'essayer de m'y faire à la souris clavier sur Hunter de Gungeon, j'ai l'habitude de la manette. Et ça va. Menu armes, d'accord. Lâcher arme, lâcher objet, pause, inventaire, oui, objet suivant, arme, catégorie, carte, balas blanc, utiliser objet. Ah, c'est espace. Ok, il faut que je passe attention à ma barre d'espace. On a tout fait. Il reste juste un coffre là-bas. Mais j'ai plus de clé. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On a toute notre life. J'ai pas beaucoup de balas blancs. Et a priori, il en vend pas d'autres, ce saligo. Ça, c'est quoi? Canon scié. Ah, un pompe. J'ai quoi comme arme? J'ai qu'une seule arme, le Forming Gungeon. Blé, bré, bra. Ah, ok, pardon, mon goût, j'avais pas compris. Salut Atmos. Ça va? Ta journée de boulot, ça va? Je fais quoi? Je tente de prendre une clé. Fatigué? Oh, tu m'étonnes. Pas trop dur. Le Atmos et Mangouste, hein, courageux, ont repris le travail aujourd'hui, après pas mal de temps de confinement. Et je parle pas de ceux évidemment qui travaillaient déjà avant, hein, bien évidemment. Waltmos, ouais, c'est ça, Charles. qu'est-ce que je fais? Je prends une clé, j'essaye d'ouvrir le coffre. Ou alors, je prends un peu d'armure. Parce qu'on a plus, on n'a pas beaucoup de balas blancs là. Fin stream et à mercredi. Merci Goldust. Bonne soirée à toi. Et à mercredi, oui. Alors, on se tient au courant en tout cas. Je sais pas quoi faire. J'ai combien? J'ai que 30. Ah, c'est soit l'armure, soit la clé. C'est Goldust, mon Goust. Clé, clé, clé. Salut, Watt. Pas trop dur, mais fatigant. Ouais. T'as passé la journée quand même. Fais un sondage, chaton. Vous voulez un sondage? Ok. Armure 1, clé 2. Clé, on ouvre un coffre pour. Pour tenter d'avoir une arme un peu plus qui est de la patate ou armure, ça nous fait une balle à blanc plus gratuite mais qui s'auto-utilise dès que je me fais toucher. 10. 100 000, d'accord. Sharp 2, 1. C'est 1 ou 2. What the fuck is what? Oui. C'est watt x2. Alors bon.
1 et 2. Merci Niflax. Ah ok, moins 1. Sandraco, il a rien compris. Elle est où l'extension Dodge Roll 1 Je l'ai pas. Go 1. Bon, tout le monde me dit 1, a priori, Sharp. Sana est 2. Ah, zut. Bon, ouais, j'ai eu pas mal de 1, je suis désolé. J'ai eu des 10 000, des 10, des 1 partout. On part sur le 1. Faut que je prenne une décision à un moment donné. Tant pis pour le coffre. On va tenter l'arme qui s'appelle Fourmi Gungeon. Oh non! Oh non, c'est le roi. Ici, quel 2 x 5 égale 2. Waouh! Merde. Merde. C'est monsieur le... Merde. Merde, je me suis trompé de touche. Mon arme lui fait rien du tout. C'est mort. Je vais pas le finir avec Admiker. Je suis très concentré les gens là. Désolé. Non! C'est cheaté les dash? Ouais, non, bah non. J'étais. Oh non! Encore 2 balles, il était fini. Oh la vache. C'est cette arme de fourmi? Ok, l'arme fourmi à bannière totale. Elle ne sert à rien. L'arme fourmi, c'est. Du caca en boîte. D'accord? Incroyable. En vrai, je suis reparti pour recommencer une partie. T'avais pas de banzan, t'aurais dû prendre la clé. Ouais, je savais pas que l'arme fourmi c'était une arme dégueulasse. Ce sera pour... on le saura pour la prochaine fois, Sharp. C'est un peu le concept du jeu, c'est ben, derrière une retry. Et c'est pas grave. On va vite finir ce donjon. Ce qui est bien, c'est que tous les... Enfin, même si on recommence tout le temps le premier étage, c'est jamais vraiment la même chose. Mais j'ai bien résisté avec une seule vie sur le boss quand même à la fin. Merde, dommage. Merci, merci Mangouste. Je pense que je commence à avoir à maîtriser un peu le bordel. Calme-toi. Pense pas trop. D'accord, je pense pas. Merci Mangouste. J'adore tes encouragements. Je sais qu'il y a des trucs bien plus difficiles, hein, comme le dragon et tout. A toutes, moi, t'es Atmos, bon appétit.
Oh, elle est pas beau, elle est pas belle la reine. J'esquive les balles comme jamais. En vrai, attendez. Option, commande, effet combien de conflits, tir, roulade, interagir, recharger. Voilà. Ce sera bien mieux comme ça. Ça c'est bon. Voilà. On a poil de mousse. Merde, ça a pas marché. Quel tournoi, y a pas de tournoi là. Voyons donc. Ok. Du rechargement, encore un truc qu'on va perdre. Attendez, ouais non, c'est tout. Ah non, mais on l'a pas ouvert le coffre. Bullet time au ralenti. Pouh. Cette horloge possède des propriétés mystiques qui permettent à celui ou celle qui l'active de ralentir le temps. C'est un actif ? C'est à usage unique ou... Ouais. Attends, on va l'essayer. Ah, le rechargement sur le... Oh, qu'est-ce que... Oh, le bâtard. Je crois que c'est avec un CD. Cooldown. Ah, ok. Très bien, on va essayer ça. Ah, marchand. Ok, il y a des armes à la balance, c'est très bien. C'est quoi ça? Trousse de soins. Petite clé, petite armure, il n'y a pas de vie par contre, donc faut pas déconner. Va falloir pas déconner les enfants. Ouais, c'est pas ouf non plus. En vrai. Ah, le cooldown est long. T'avais un passif qui disait les actifs se rechargent quand ils sont actifs. Ah. Bon, j'ai perdu de la vie pour rien tout à l'heure, hein. Je me suis trompé de touche.
courir la foudre dans une balle. Oh, ok, on va le garder pour plus tard. On a encore un coffre là-bas, on a une clé. C'est la grande salle, non? Ouais, c'est ça. Ferme à l'air foudroyante, oui, on pense, hein. Bien, 53 de trousse de soins, non, bah les balas blancs, hein. Balas blancs direct. Pas drôle chaud. Pas fou cet étage. Oh non, encore lui. Bon, l'avantage, c'est qu'on vient de s'entrer. Je sais pas, j'ai jamais eu. C'est pas mal cette arme, j'aime bien. Merde, je me suis trompé de touche. Merde, je me suis... Oh punaise. Non mais... Je sais pas pourquoi, chaque fois que j'ai voulu faire des esquives, j'ai appuyé sur espace. Et bah la blanche, j'arrive pas à appuyer dessus au bon moment. Il faut que je change les touches encore. Jusqu'à ce que je trouve le bon setup pour jouer. Je vais essayer aussi un nouveau perso peut-être. Ah, les actifs se rechargent quand... D'accord, très bien. J'ai compris. Modifier config clavier. Tir, clic gauche, roulade d'esquive. Space. Papa chat, surveille Lucky. Papa chat surveille. Ah, c'est Lucky. D'accord. Ça te donne bien aujourd'hui. C'est bien, Niflax. J'ai remarqué contre le boss. D'accord. Ça c'est bon, l'interagir. Attendez, qu'est-ce qui me manque du coup? Parce que là j'ai mes roulades, c'est ça. Donc, utiliser un objet. Attendez. Balle à blanc, ce sera ça. Et utiliser un objet. Non, Mangousse, non, tu peux, n'en fais pas trop, ça ira. En fait, je l'aime bien, elle. Lui, il est pas mal parce qu'il peut crocheter une serrure, mais c'est pas fifou non plus. Et le Marines, tout le monde, beaucoup de gens le prennent parce que son flingue est très, par défaut, est très précis. Et surtout, il a une armure à chaque début de stage qui se recharge automatiquement. Moi, j'aime bien jouer la chasseresse parce qu'elle a deux flingues qui sont pratiques. L'arbalète, elle fait très mal. Et le petit chien, quand il trouve des objets, c'est pratique aussi. Non, bon, allez. Restons avec elle. D'ailleurs, j'avais pas vu les nouveaux trucs à acheter. Ah! Ah bah oui, Sharp. Mais quand vous regardez les trucs à acheter, vous avez le détail ou vous avez que le titre?
Ouais, mais les modos et les subs, ils gagnent plus de points que les autres aussi, donc forcément, on en a un. Hein, hein. Oh, oh. Ok, c'est nice. J'ai jamais vu autant de coffres. On a le titre et on a les détails quand on clique. D'accord, très bien, parfait. Mais non, c'est triché. Qu'est-ce qui est triché? Attends, mes touches, elles ont pas été touchées là? Elles ont pas changé? Bien joué, Char. Attendez, mes commandes, elles ont pas changé? Roulette d'esquive. Utiliser balle à blanc. Et utiliser balle à blanc, utiliser objet. Voilà, c'est Usen. Russen. Ah, voilà. Le R minuscule. Quoi, ça va servir ça? Bien joué, Sharp, d'avoir acheté le petit cadeau qui est un petit sticker aléatoire parmi ceux que j'aurai bientôt. Tout, tout, tout. Ah, j'ai plein de cœurs, j'ai plein de cœurs là. Par contre, j'ai pas de clé. Ok, armure. Et la carte, c'est quoi? Oh, la carte. Carte. C'est pour tous les niveaux ou c'est seulement celui-là? Eh oui, demandez ça à la poste. Le pistolet R, il est correct. Sérieux? Ok. On check ça après. Là on est bien hein, pour la game. Pour l'instant on est bien en termes de vie et de balles à blanc. Quoi? Je me suis fait toucher par quoi? Espèce d'AK de brun. Je suis fait par de l'air, ouais, c'est ça. Ok. Miaou, 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 miaou. Comment allez-vous tout le monde? On va très bien, Sun. Du fromage! Oh merde! C'est ça de changer les couches, les touches quand on a commencé à jouer avec certaines touches. C'est pas grave, allez. I know. Je dois recharger en rentrant dans une zone. Fatigant, toi. L'eau, elle est là ou pas? Non, elle est pas là.
Un coffre, j'ai pas de clé. Sale jeu là. Ok. Allez. Très bien. Mince. Ah, une clé. C'est good ça. Essayer de faire un speedrun du level de chaton ou encore et 22 secondes. Nice, bien joué. Oh, il est pas dur mon level. Il y a moyen de le speedrun très facilement en plus. Il est fait pour. Hein. Pierre de gun. De gon rouge, esquive plus. Ah, ok, d'accord. Très bien. Ça me permet de... C'est comme un mini bouclier qui tourne autour de moi. Qui gravite autour des chatons. Il nous faut remonter dans les abîmes de ce niveau, très loin là-haut. Pourquoi il me... J'ai trouvé une clé, il me la manque. Pourquoi? Je l'ai prise, non, la clé? Ouais, ok, la loose, j'ai utilisé. Ah, il y avait une clé dessus, je pensais que c'était sans clé. Très bien. Bon alors, on m'a dit ça, c'est pas mal. Mais en vrai, moi, je... Ah, j'ai pas de bleu ici. L'armure, c'est bien aussi. 25. Tu sais, la carte, pensez. En vrai, la carte, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais c'est bien quand tu focuses quelque chose. Alors, si tu veux pas... Ah, tu peux focus les coffres. J'ai pas d'arme, en vrai. J'ai pas d'arme, hein. Faut pas l'oublier, j'ai pas d'arme. L'air minuscule, il est bien. 35. Et lui, 35. Peut-être pas utiliser la carte, je pense que j'ai besoin d'armes, hein. J'ai du mal à comprendre ta façon de parler. J'essaie de pratiquer ton accent. Oh, Niflax, pas mal. Non, je pense que je vais prendre l'arme comme Niflax a dit que c'était pas, c'était correct. La carte, c'est que pour ce niveau, j'ai regardé. Ouais, donc ça sert à rien en fait. Ah oui, Follet, oui, je connais bien Follet. Tu peux, il faut que tu retrouves ces petits morceaux. Parce qu'à cause de toi, il est cassé, Follet. En vrai, en plus, si on a une clé après le boss, on pourra revenir en arrière pour choper. Ah, bah c'est lui! C'est lui! Oh, tu vas avoir du mal, ça, non? Sans table cette fois. Eh ouais, t'as vu? Y'a pas tout le temps des tables. Il y a des plumes sous les aisselles! Oh. Bullet.
Ok, j'ai encore un peu de mal avec les boss où il se passe énormément de choses autour. Merde. Merde, merde, merde. Il est où? On l'a, on l'a, on l'a. Notre alvé de Peach. C'est vrai. La honte, l'oiseau a plus de muscles que moi. Eh oui, Sen. Et oui, et oui. Merci, Sharp. Marrez-vous, les pigeons. Avec une vie, quoi. Ah, mais attendez, il y a plein de trucs là-haut qui nous attend. Canon à impulsion. Ah, bah c'est bien, ça. Merci, les gens. Faut la parler de façon aléatoire. Mais je connais Folly. Merci, Sané. Je le connais bien. Je l'ai rencontré plusieurs fois. On a une clé, on a une clé. T'as eu un combo? Comment ça j'ai eu un combo? J'ai le GG de Sharp et le GG de Niflax, merci. Tu m'as jamais parlé de lui? Ah, bah tu dormais. Espèce de cœur. Ah ouais, effectivement, il y a un combo entre les deux. Tire plusieurs impulsions d'énergie décohérente, version précoce, moins aboutie des armes énergétiques modernes. Mm-hmm. Oh bah nice, nice, nice. Je sais pas ce que ça fait les combos, c'est la première fois que j'en ai un. Bon, je garde la clé pour un prochain coffre en plus bas. Le cœur, il me permet d'avoir un cœur en plus. Ajoute un cœur, tout simplement. Il y a un combo entre les deux, mais je sais pas ce que c'est. Je comprends pas. Dans le trou, mais il y a rien dans le trou. Pour l'instant, Niflax. Ouais, je sais, je connais. Mais j'ai pas les réparations pour le câble. Ah, il faut que je rencontre le mec qui fait les opérations. Bon bah je te laisse chaton, à plus. Oui, bonne soirée Draco. Amuse-toi bien sur... Waouh. Waouh. Aïe. C'est quoi ce merdier là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Victime du feu. C'était n'importe quoi. Mince, Niflax, tu t'es fait baptiser. Pourquoi? Ah, mot, phrase trop longue. Ah ouais, mais c'est à cause des spammers de qui sont VIP. Désolé, Niflax. là. Punaise, je me suis fait avoir. Comme un bleu. Bon écoutez, on va continuer hein. I'm back. Yes, Niflax est là. J'aimerais bien réussir à faire ces niveaux là. Il n'y a pas de sauvegarde sur ce jeu, Sun. On n'est pas sur Doom. Mais merci.
Mince! Merde! J'ai fait une erreur. J'ai trop changé les touches, j'ai plus mes sons. Nice, on aurait quoi. Ah, oh, nice. Viens ici, toi. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Bon, la partie mal partie. J'ai raté des trucs, hein. J'ai regardé avec le clip, en fait, tu as été enflammé, du coup. Ouais, j'avoue. J'ai utilisé cette phrase, tu recommences, je t'engueule comme jamais. Comment ça? À qui t'as... Comment ça est-ce que t'as utilisé ça, Mangoust? À un moment où j'ai pas vu. Bon, ça pue là. Hein. Ouais, vas-y, hop. Ça pue. J'étais pas dedans là. C'est le départ de Sun, ça m'a chamboulé, vous voyez. Je parlais au chien, pas dans le chat, mais ça m'a rappelé les trucs. Ah, ok, d'accord. Ok, Char, bonne soirée. Demain, on continue. Merde. Non, je suis coincé dans. Putain d'écran. Bordel. Pixel de bras. Tu Sharp, merci d'être resté jusque-là. Et donc, demain, on continue Link Awakening. Link's Awakening. Et on part. J'espère que je réussirai déjà à fixer le problème pour la PS3. Et demain soir, c'est Warzone avec Batasha. Voilà. Oula. Ça devient dur là. Marchand, ah oh, good, le marchand, good, oh bien marchand, bien. C'est quoi cette chauve-souris grenade là? Mais là aussi il faut une clé, non? Il est où le coffre? Ah, il est là. Bah voilà, les balles à blanc repoussent les ennemis. Ah nice. Non, c'est des munitions en vrai, on s'en fout.
Ok. Là, on peut pas y aller. Salut. Eh, c'est ma table. Merde, je l'ai raté. Tu prévois de faire à quelle heure, chaton? D'ici une heure, je pense. Quand je commence déjà à fatiguer en vrai, donc je vais voir. Je suis pas allé sur le site car j'ai la flemme. Sur le site. Ah, le site de chaton, oui. Mais les horaires du site sont à titre indicatif en réalité, hein. Il n'y a pas les horaires précises. C'est plus une indication pour vous pour avoir le programme global. Mais après, si je considère qu'il faut que j'arrête, j'ai fait une erreur. Un peu plus tôt parce que je suis fatigué et que j'en ai besoin d'être en forme pour le lendemain, j'arrêterai quoi. C'est vrai que comparé à un jeu comme Link Awakening, Enter the Gungeon est quand même demande quand même beaucoup plus d'attention. Et donc me fatigue un peu plus quand même. Il y a un canard dessus, ouais. Donc pas de clé. Avant Warzone avec Batacha, t'as des trucs? Ouais. Je fais, je continue Link's Awakening toute l'après-midi. Le Warzone c'est à 20h comme on fait d'habitude. Ouais, c'est pour ça, t'as tout compris. Toi, je dis que si je suis fatigué, je stopperai ce soir parce que demain c'est grosse journée. Mais en vrai, ça devrait aller parce que bon, Link's Awakening ça va quoi. Même si on approche des parties un peu complexes du jeu, et ça reste un jeu très simple donc ça va. Je cassais tout. Ok, on a vidé la zone. Ouais, pas grand chose comme ça là. J'ai une clé, il y a un coffre vert et un coffre bleu. C'est quoi les meilleurs coffres? Vas-y, hop, oh. Fusil d'assaut du noyau grand tir rapide, bah parfait, parfait, parfait. Et j'ai plus de clé. Mais j'ai pas beaucoup de thunes par contre. Ça c'est dommage, cœur entier. Je pense que j'ai pas le choix, hein. Le cœur entier ça reste ma meilleure def. Ah, il y avait le... Comment il l'appelle là? Pistolet de détresse, ouais d'accord. Encore lui? Ça devrait aller. Rebelle. Parce qu'il en vaut que 2 balles. Merde! Eh, elle marche bien cette arme là. C'est pas trop mal. Demande un max de concentration, donc ouais, force pas, etc. De toute façon, ça serait cool, j'ai hâte. Ouais, c'est clair. Moi aussi. Eh, vous croyez qu'on peut s'installer? Ah oui, on peut être dans le siège. Voilà. No, I am the king. Yeah. No, the queen. Sorry. Ça, c'est un des trucs qui sert à rien, non? Magnétiriche.
C'est un aimant. Ouais, merci. Y a pas un cœur quelque part normalement? Ah, il est là. Bon, 10 en tunas, ça sert pas à grand chose, on y va direct. Thank you, mangouste. Allez, on reprend les armes. What? C'était quoi ça? D'où ça venait? C'est quoi ce truc? C'est fini, c'est bon? Voilà, on est bien accueillis ici. Hein. Ok, ça commence bien. Il fallait pas aller là en fait. Force à eux. Ouais. Mais t'en fais pas, Mangouste. Oh là là. C'est pas encore ça. Hein. 22h40. Ça fait quoi? Ça fait 2h de live. Ça fait un petit live pour aujourd'hui. Ah, rejoins la bagarre. Spring. C'est dur, ouais. C'est dur. Ouais. Mais j'avoue que je sens que c'est quand même un tout petit peu plus fluide au niveau de la visée pour la partie PC. Quoi. On a raté Pollux tous les 3e samedi du mois. Ce petit castor est l'organisateur des tournois de pêche sur la trille. Mais on l'a peut-être pas débloqué encore. Ça n'est... on l'a peut-être pas encore débloqué. Ouais, là. Triste. Vas-y, il va être 23h. Vous voulez changer? En vrai, Warzone, ça demande pas tant d'efforts que ça, non? Go Warzone, t'es chaud de Mangouste? Moi, je suis chaud. Je pense qu'on a bien... J'ai bien poncé le jeu, là, ce soir, dans le sens où j'ai bien train un petit peu. J'ai besoin de reposer le tout et de me remémorer tout ce qui s'est passé pour m'améliorer pour la prochaine fois. Je commence à fatiguer un peu. Je pense que je vais partir sur du... Ouais, fatiguer sur du Warzone, c'est peut-être pas la bonne idée. Ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Warzone, je sais pas. Niflax, t'en penses quoi, toi? Un jeu qui te détend en multi? Un jeu qui me détend en multi? Soit on part sur Warzone, tu peux être zen. Oh, ouais, mais les jeux que je suis zen, je vais dormir après. Trois petits points. Oui, Mangouste, qu'est-ce qu'il y a? En vrai, même Nisfax, je pense qu'il est parti dormir. Pourquoi j'ai plus mes dossiers sur ce bureau? Ah, ils sont là. Tu veux du mini ninja? Bah, je charge. Ah, tu charges Warzone? C'est-à-dire, il y a une mise à jour encore?
Attends, il est où le launcher? Non, non, ça n'est, j'en prendrai une après le live. Là, ça va, j'ai de l'eau, j'ai tout ce qu'il faut. Heureux papu. Bon, déjà ce qu'on va faire, clac, voilà. Ce sera plus simple. J'ai pas l'impression que j'ai une mise à jour. Allez. Ok, bon, allez, on part là-dessus. Je change les infos du jeu. Ouais, je suis bloqué en mage là. Ok. Détente sur un jeu de guerre. Voilà. On a encore 2 minutes. Pour se dévouler avant dodo, on a encore 2 minutes. Enfin, tu as. Comment ça, j'ai. Ah non, c'est bon, t'inquiète pas. Je suis où dans le ciel? Oh, papu, as-tu vu des ovnis? Tu as encore 2 minutes pour dire ce que tu veux. Ah, Warzone, Warzone. Je suis parti, j'ai changé les infos de jeu. C'est Superman. C'est un avion? Non. Super chaton. Oui, pourquoi pas. Vous ne saviez pas? Je vole dans le ciel. Attention, me voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pardon. Ah, heureusement que j'ai mis un truc pour bloquer le son du jeu quand je le mets trop fort, hein, parce que là, ça faisait la lumière orange. Ah, c'est peut-être un satellite ou c'est Mars. Du coup, je vais sur Discord, Mangoose. Voilà. Normalement, en termes de son, ça devrait aller. Ouais. Et du coup, si je mets la capture, ça va pas marcher parce que j'ai changé tout à l'heure pour le jeu. Capture de jeu. Hop, plein écran. Et là, il devrait. Il la prend pas? Ah, ça y est, il la prend. Mais je te vois pas dans mes amis, Mangouste. C'est bizarre. Hein. Je crois que je t'ai pas rajouté, Mangouste, en fait. Du coup, je te vois pas dans mes amis. Ou je te vois pas parce que t'es pas du tout connecté. Pourquoi je te vois pas, c'est bizarre. Attendez. Phoenix Fox Path dropped. GIGN, d'accord. RAS, d'accord. Régiment. Créer un régiment. Entrer un nom de régiment. Oh. T'as joué à quoi? Moi je t'ai. Ah, c'est cool. On a joué à Enter the Gungeon. Et là, on part sur. Pour finir le live, on part sur un petit quelques games de Warzone pour m'entraîner pour demain. Bonsoir. Salut, Mangouste. Oui, tu peux parler. Tu peux parler? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Nom de régiment. Attendez, okay. Parce qu'on peut créer un régiment. Le régiment, c'est. Oh, un régiment. Les. Moustachu.
L'identificateur du régiment, c'est 5 lettres. Pas plus Moust. Quoi de spécial demain? Tu poses la question. Il y a quoi de spécial demain? Demain, je continue Link's Awakening, donc les donjons qu'on a commencé, notamment le donjon du Poisson-Chat. Et demain soir, c'est Warzone, comme je disais, je m'entraîne pour Warzone avec Batacha. Voilà. Moust ou chaton? Mais chaton, ça marche pas. H-A-T-N, sinon, comme ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez pour le nom de régiment? C'est un peu nul, mais ça va. Mais je peux pas faire ces 5 lettres. Les moustachus, ça va. Nom de régiment, c'est les moustachus. Comment ça, c'est pas à toi de dire? C'est à ton chat de dire, c'est aux moustachus de dire. Bah, le nom de régiment, c'est les moustachus, c'est tout. Bah voilà, c'est très bien. Et pour le diminutif, ça sera moustache, comme ça. Moustache pote. Est-ce que tu peux faire moustache pote? C'est rigolo. Bah non, je peux pas, c'est 5 caractères max. Oh, donc moustache. Créer un régiment. Non, mais c'est moustache M-S-T-C-H. En fait, j'ai envoyé toutes les voyelles. Je vois pas. Si, là. créer un régiment. Je suis désolé pour le chat, je ne vous vois plus. J'ai sacrifié le chat pour. Bon, je te dirai. Voilà, ça marche. Hein? Quoi? Désolé, le nom que vous avez choisi est déjà utilisé par un autre régiment. Ah. Chaton, tu confirmes Sanae est présente sur le chat? Oui, bien sûr, pourquoi tu dis ça? Pour être sûr. Bah pourquoi? Pour qu'il y ait quelqu'un, tu vois, c'est. Voilà. Ah oui, mais non, mais t'en fais pas, de toute façon. Parce qu'on les aime et on veut les encadrer. Alors, est-ce que. Non, ça va, t'as pas l'air trop fort dans le son du jeu. Dans le son, ok, très bien. Donc je vais faire quoi? La team des moustachus, je vais mettre. Plutôt que les moustachus. Parce que les moustachus, ça existe déjà. Non, je vais faire team moustachus. Ça marche. Voilà, c'est bon, ça marche. Erreur, désolé, la plaque que vous avez choisie est déjà utilisée par notre régiment. Mais je les emmène. C'est pas possible, ça. Chut, t'inquiète, on va trouver. Je suis très expressif, tout le monde le sait. Moust. Mais je cherche pas, arrête. Non mais STCH, en majuscule tout. Il y a juste le C qu'on met en minuscule. Non mais Team Moustachu, c'est pris? Non, c'est pas pris, c'est l'identificateur qui a été pris. Donc c'est pris. Ça aussi, ah parce que les majuscules ça compte pas. Très bien. Team mais tu as le problème que je sois parti pour faire du Warzone? Ouin, j'aime Warzone moi. T-I-M Moustachu. Mais je peux pas, j'ai que 5 lettres, Mangouste. T-I-M moustache. Je fais T M S T H. Oh, c'est sale. Quoi? Non mais ça me frustre en fait que quelqu'un ait déjà pris la team moustache. Non, team moustache, c'est bon, c'est l'indicateur qui était pas bon. D'accord. OK. Non, en chinois. Ah non. Non, mais j'aime regarder chaton jouer à Warzone. C'est cool, San, si t'aimes bien me jouer, regarder à jouer à Warzone. On va rejouer à Warzone. Ah, un petit peu, pas longtemps. Je vais jouer en ayant le live à côté parce que vous me manquez, n'empêche. Prends-le sur ton téléphone. Régiment créé. Pas bête, ça. Invitation au régiment. Inviter des joueurs. C'est quoi ton... Mais moi j'ai personne dans mes trucs là, c'est chiant. Gérer les régiments. Ok. Ami. Ah, ils sont déjà dans des teams. Oh. Mangouste, t'es où toi? Adrien Poix. Oh, Johan. Ah, la mangouste hors ligne. C'est toi, ça? La mangouste? C'est moi, bah, bien sûr. La mangouste, tu veux que ce soit qui? Donc là, si je t'envoie une invitation, tu la reçois. Ouais, Sun, on va faire ça. Ouais, pendant une heure, quoi. Uzi, c'est quoi? Ça veut dire moustache? Pas de soucis, pas pu. De toute façon, il y a... À cette heure-ci, il n'y a plus grand monde. Ils sont tous partis dormir, là.
C'est la reprise pour tout le monde. Ah mais eux ils sont online mais injoignables. Ah mais Atmos et Loïc ils sont en ligne. Ils sont en train de jouer. Ok. Bon j'ai invité tout le monde. Il y a Mangouste qui est là. C'est bien la Mangouste. Mangouste est avec nous là ou pas? Ça se dit Rushi. Ok d'accord. Bah j'attends alors. Je finis un truc et j'arrive. Pas de soucis. Comme ça, je fais un petit entraînement rapide avant demain. Putain, le... Ouais. Je reste pas longtemps, désolé. T'inquiète pas, Papu, c'est pas un problème. C'est déjà très très sympa d'être passé. Mangouste, tu sais que le jeu te considère hors ligne. Hein. Pourtant, je suis avec toi dans mon jeu à moi. Oui, non, t'es avec moi, mais à mon avis, ton compte est hors ligne. Et mon compte tu t'es mise hors ligne. Tu t'es mise hors ligne pour tout le monde, non? Non. Ok, t'as reçu mon invite ou pas? Sur Discord, oui, mais pas sur le jeu. Ouais. Je parle pas de Discord, mais tu vois, c'est là que tu choisis. Là, attends, j'ai pas le live en visuel encore. Ah, quand tu vas dans, ok, quand tu vas dans Ami, là, tu trouves ton social. À droite, en haut à droite, t'as en ligne et tu peux choisir si t'es apparaît hors ligne, occupé, absent ou en ligne. Moi, je passe pas, je futur. Bien joué, Sun. T'as capté le truc? Et est-ce que t'as reçu mon invitation au régiment? Non, pas que je sache en tout cas. Mais je te l'ai envoyé. Je rejoins ta partie, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Ben, je te renvoie une invitation dans Team Moustachu. Bah, t'es déjà envoyé en fait. J'ai trois invitations à envoyer, une pour toi avec son prix. Bon d'accord, allez, on lance le BR. En BR du coup. Hein? Tu me parles à moi? Mais tu veux que je parle à qui? Pardon, j'arrive. 30 secondes, sérieux. Trop tard, j'ai lancé le trio. Ça marche, le temps que ça marche, j'ai pas d'écrire. Laisse tomber la meuf et reviens vers nous. Bah oui, il y a que pour ça que tu serais déconcentré. Évidemment. Voilà, prends ton temps. Il marche bizarrement le perso. Il fait attention qu'il n'y ait pas des mines par terre. Des mines de chatons. Voilà. Solo le perso. Hein? Non, il y a Mangouste avec moi. Oups, pardon. Voilà, la mangouste est là. Elle veut toujours pas venir dans ma team, hein, la mangouste. Dans ta team déjà. Arrête. C'est bon, j'ai répondu. De quoi tu me parles? Je parlais de mon régiment. Mon mess, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Sun? Quand tu viens dans ma tombe, dans AC. Oh, c'est le bordel. Non, Sun. Je vais pas dans ta tombe. Sun Draco, il a préparé ma tombe sur Animal Crossing. Je remarque que le son du jeu est toujours un peu fort. Ça va là pour vous, le son du jeu? C'est la merde. Ouais, il l'a posté. En plus, il l'a posté sur le salon de Badache. Attends, l'hélico là. Non. Il va faire comme moi, l'hélico. Bonne soirée, Papu. Oh, je l'ai eu. J'ai eu le deuxième. Soldat ennemi en approche.
Pourquoi ma souris elle tourne pas? Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai un problème avec ma souris là. Ah non, c'est des bugs. L'entraînement est terminé. Non, c'est toi ça? Hein? Mangouste? Ouais, fini de jouer. J'ai eu 30 secondes pour ramasser ma carrière sur le sol. Mais c'est... On m'entend encore? Tout le monde est là? Oui, 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 on t'entend. Ok, moi je vous entends pas. Okay. Enfin, je vous entends peu. Tu m'entends, moi? Très peu. Ouais, tu dis pas vous alors, tu dis je t'entends. Ouais, nickel, on va par là. Par contre, lui il va aller en bas, je préférais au niveau des maisons, moi. Quoi, maintenant? Vous êtes où? Je suis pas loin moi. Lui il est plus loin. Ok, toi t'es là-bas. Mais notre pote. Une légendaire direct, une mitrailleuse. Attends, j'ai un problème, j'ai une touche qui va pas là. Les mecs, vous le savez que je vais mourir en premier. Donc surveillez-moi, j'ai des bonnes armes. J'ai rien mis à dire. Je peux pas courir. Comment ça? Je sais pas, mon perso est bloqué sur une position. Moi je t'ai vu en train de courir là. T'as pas pris le coffre? Ah, le capteur cardiaque, il faut le prendre. Il y a un coffre au-dessus, je crois. Comment on va en haut? J'arrive pas à courir. Qui a besoin d'une armure, chaton? Ouais. Je te vois, t'as besoin d'une armure. Ouais, comment on fait pour prendre le coffre qui est là-haut? Chaton, ah non, là. Ça va pas, j'entends. Bah, y'a personne en fait, on est que deux. On est que deux, comment? Bah, y'a eu personne sur la. J'ai entendu comme la pendule d'une église dans. C'est normal. Je sais pas, mon gosse. Je sais pas du tout, ça. Qu'est-ce que tu fais par terre? Ok. Bon bah, chaton, on est dans la merde, tu le sais. Attends, je mate la map. Ça va se finir sur Quarry ou Military Base? Military Base. Base. Non mais en vrai le plus simple c'est de finir cette zone là et de retourner vers TV Station. Je peux pas courir, j'ai un bouton. J'ai un bouton coincé. Ah, j'ai un radar. Il y a encore des boucliers, il y a une map, enfin une malle là. Elle est où? Je l'entends, elle doit être au premier étage. Toi aussi t'entends un truc? Mais bien sûr, j'ai le même casque que toi. Ça me saoule, je peux pas courir. Premier étage, obligé. Oui, ici elle est toujours au premier étage. Pas toujours. Je la vois pas. Elle est là. Oh, blinde de pognon. Sur le toit. Sur le toit. Si elle est pas là, c'est qu'elle est sur le toit. Oui, y a une. J'en ai une. Hein. Pourquoi tu ouvres pas les portes? Pourquoi elle s'ouvre pas cette porte? J'ai les deux. Hein. Attends, pourquoi elle s'ouvre pas cette porte? Elle est censée s'ouvrir. Fusil d'assaut. Ah, parce que j'ai du lag. Parce qu'en fait j'étais pas devant la porte. Attends, je reviens. Y'a quelqu'un dehors. What? C'est toi dehors? Oh non. Ah, le serveur est, les serveurs est lagué. Si t'arrives à courir en allongé, c'est que le jeu est bugué. C'était ouf. Je me suis allongé sur la fin de ma course. Ah, t'as eu le foyer. Salut Floppy. Attention, le gaz se rapproche. Ah, c'était chaud. Y'a personne autour de nous, on continue les maisons ici. Y'a bon souci de précision, perso, qu'est-ce que t'as? Tu regardes Batacha, il fait quoi de beau Batacha? T'as quoi, réponds-moi? Quoi? T'as quoi comme arme? Bah j'ai un FR5.6 et un gun avec gros silencieux. Ok, donc gun, c'est
Donc une arme de poing. Pistolet. Non, non, pistolet. Et ton VFF 56, c'est quoi? C'est un fusil d'assaut? Fusil d'assaut. Fusil à pompe, c'est quoi? Fusil d'assaut. Fusil d'assaut, ok. Là, j'ai un fusil à verrou rare. Pas. Pas ouf. Ok. On est à l'intérieur. On cherche des cibles. On va la jouer comme ça, là. J'ai pas grand chose en vrai. Il y a des tirs à côté, hein, donc on n'est pas les tirs. Refloppy 1 MC, monsieur Chu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon gousse? Je sais qu'il y a du lag, mais t'es pas du tout resté avec moi. D'accord. Je te dis que j'allais dans la maison à côté. Bien, suis-moi. Impossible de te suivre pour le coup. Ah, ça y est, je peux courir. C'est parce que j'étais en mode. Et quand t'appuies sur X, charge tactique pas encore prête. Ok. Ils sont 4 en face. Ils sont très très 4 en face. J'adore. Mais t'as pas mis de repères. Je les ai vus. Où ça? Ils viennent vers nous? Ah, je les vois, ouais. Attends. Voilà. C'est-à-dire, tu les regardes sur la map. Voilà, c'est exactement là qu'ils sont. T'es sérieux? Quoi, j'en ai mis un à terre. Eh ben, je les ai mis en colère. Oui, tu les as mis en colère surtout, ouais. Moi je me casse. Eh ben faisons ça. Faisons ça, chaton. T'es parti où? Ok. Tu m'as laissé seul et je suis enfermé. Non, non, viens, viens, viens. J'arrive. Passe par les fenêtres. Pourquoi j'arrive pas à courir, c'est chiant? Oh, ça va être. Je les vois pas encore, donc tout va bien. Non, non, ils étaient pas encore là, mais. Si, si. Mais là je suis pas à gauche, je suis sur le PC, yes, hein. Je peux venir, Floppy, si tu te dépêches, tu peux venir. Ok, t'as toujours pas fait ton armada, toi. Enfin, ton armada, ton équipement. Ils sont où? Et ils sont partis, hein. Ils sont partis par là. Ils sont barrés, ils sont pas restés avec nous. Ça vous donnerait de ouf. Ils ont eu des tirs. Ouais, ils sont barrés. Ils ont cru qu'on les... Et ils pouvaient pas être 4. On est en armada de 3. J'en ai vu 2. Ah, bon, donc ils étaient 3. Pourquoi ils seraient pas restés? Et ils avaient l'air clairement... Non, ça va, t'en fais pas. Par contre, ils sont partis du côté de l'aéroport. Moi, je propose qu'on se dirige vers le TV station. Il y aura sûrement... Ah, sur le toit là-haut. Tire pas. T'as tiré. Ok, on se casse. Chaton, on se casse. Ouais. Mais le con, il était. Je suis. Attends, il est où? Je l'ai mis l'eau. Une box ici. T'as quoi comme arme? Rappelle-moi. C'est un fusil de précision. Moi, j'ai rien fait. Un fusil de précision, t'as quoi d'autre? Ils sont où? C'est tout. Ok, y'a rien d'intéressant ici. Bah, ma mère, y'a un film, moi je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, Batacha, Floppy? Merde, y'a une grenade! Oh, qu'est-ce qu'il fait, Batacha? C4. A demain. J'ai posé mon C4 sans le vouloir. Floppy qui. Qui me trahit avec Batacha. Bravo, Floppy! C'est un exemple! Voilà. Je rigole bien sûr, hein, Floppy. Dis à Dean. Oula. Je crois qu'il nous aime pas. Ouais, mais on se bat. T'es avec moi. Je suis dehors. Viens par là. Attends, on part du mauvais côté de deux. Je suis mort. T'es mort? Non. Ouais. On s'en fout, c'est une game de chauffe. Tu fais quoi, Batacha, ce soir? Si vite, je sens que je vais me faire encercler. Chiamo rapidement. Ah, mais il est sur Minecraft, Batacha. Encore? C'est même pas ça, c'est que je suis redirect. Bienvenue au goulag. Chut. Vous allez devoir survivre pour gagner votre liberté. Il fait souvent du Minecraft en ce moment, Batacha. Bah, c'est bien. C'est vrai que moi, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais bon, vu que ça intéressait pas grand monde. Quoi? Pourquoi? Mais n'y manque pas, je veux même pas m'en sortir, les goulags là. Là, je mérite de mourir. C'est toi qui es au goulag là? Ouais, je suis au goulag. Bah, moi aussi. T'es où?
Je vois pas. Je sais pas pourquoi je peux pas courir, ça m'énerve. Tu dois avoir un bug sur ton clavier ou quoi, mais. Oh non, mais c'est chiant. Bah, ça m'empêche de jouer en fait, de pas pouvoir courir. On est là pour le beau jeu, les gens. Si, c'est encore pareil, c'est la même. Toujours en mode de côté, tu vois. Ok. On est là pour le beau jeu, on est mort en l'air. Yes, vas-y, Sen, merci. Va pas sur le. Là, le largage d'équipement, n'y va pas. Tu vas te faire niquer en l'air. Va à l'abri. Attends, un truc, j'aurais fait la même. Ça a été ouvert. Non, c'est bon. C'était zone safe. Voilà. Par contre, je vais juste désactiver ma souris 2 minutes. Véhicule ennemi à côté, mais a priori, ça bouge plus. Donc il attend quelqu'un, donc ça va. Il est pas pour toi. Il est pas là. Ça y est, je peux courir. Ok, c'est bien. C'est ma souris. Je fais tous les coffres ici. Oh bah voilà, les armes ici. Ce que je veux, c'est des dollars pour m'en réanimer. Quoi, t'es... Ah, t'as pas réussi le goulag. I'm solo. Goulag, je suis mort en vol, c'est pour ça que je t'ai sauvé la vie en te disant ne va pas là-bas. Ah, d'accord. Ah mais t'es passé avant moi au goulag en fait. C'est pour ça que je t'ai pas vu. Pour ça. Ok. Fuck, t'es man. Là j'ai 2000... J'ai 2800, ouais, le drone je m'en fous. Bah Tacha il te répond ou pas? Il fait quoi? Il est sur Minecraft en live. Ah bah il est en live, ok. Oui c'est pour ça tout le monde dit qu'il passe pour me dire ah je suis sur live de Batacha, d'accord. Mais en même temps il fait du Minecraft. En vrai, j'aurais dû me barrer au lieu de vouloir venir te chercher, je suis con. Ah bon? Plus jamais je fais ça, les gens. Plus jamais je fais ça. Bah, déjà, c'était chiant parce que je pouvais pas courir, tu vois. Oui, non, ça, j'avoue. Ça m'a. Bah, c'est ça qui m'a tué, en fait. Je pensais pouvoir me barrer à un moment, j'ai pensé avoir réussi à débloquer le problème. Mais non, c'est bon. En fait, c'est vraiment la souris qui. Oh! J'ai une casse épique! Oh! Fusil de pression avec silencieux. Elle a pas un an, les boutons qui grippent. Enfin, les boutons latéraux. Coup de pinceau légendaire. Mais ça va, c'est juste pour poser le fusil sur un truc, toi. J'ai deux snipes là, ils sont juste ouf. Tu veux pas. Ah, tu peux pas revenir avec moi là. J'ai 5300, tu peux me faire un petit halt s'il te plaît, vous demander un redéploiement là. Que j'aille à une boutique. Merci. Bien sûr. Elle est où la boutique? Elle est là-bas. Hein, bien sûr. Attends, mais il y a encore une caisse. Ok, super. Alors attends, par contre, je vais mater la carte si tu me permets 2 secondes. Ok, en face de toi, déjà, il y a des ennemis. Direct. Direct Comment en face, sais? Direct à ta gauche. Comment tu sais? A chaque fois que je pointe quelque part, t'as des ennemis très proches. Oh, mais il y a une caisse qui débarque là. T'as un véhicule qui s'approche. Ouais, je le vois, je le vois. Oh non, calme-toi, ils me verront pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me cherchent là ou quoi? Mec, bien. C'est pas que je m'énerve, c'est que je veux que tu prennes le moindre risque possible. Ouais, mais là j'ai pas trop le choix. Attends, ils reviennent. Non, il faut, tu vois. Safe. Il faut le jouer safe. Ils sont là. Tu veux que je pique le kill? Ils sont juste là et tu en as. Non, je les vois, Ouh, putain. Tu as plusieurs teams, c'est ça que tu vois pas et que moi j'ai la carte. Attends, y'a pas un truc derrière moi pour te revive, non? Par contre, largage d'équipement il est là. Ah ouais, mais il y a un largage d'équipement juste à côté de moi. Sur cette zone là pour l'instant j'ai aucune activité. Donc joue plutôt là-dessus au lieu d'essayer de les attaquer. Je veux le truc pour te revive. Et Bata te dit bonjour, yes, merci Sen. Dis-moi où. Tu peux faire une demande de relais paiement s'il te plaît?
on a celui-là et celui-là. Ça, c'est pas un souci. Et joue là plutôt sur ta droite. Bah, le plus proche, c'est celui sur ma droite. Non, mais quand je dis joue là plutôt sur ta droite, c'est clairement on va là-bas. 1-1. Si. Non, ils sont nombreux. Chut. Ils sont nombreux. Laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. Si tu veux aller tout droit, t'es mort. Il y en a un derrière toi, véhicule. Ouais, je l'ai vu. Ok, bon. Ils en ont rien à battre de moi. Attends. Non, ça c'est ton point à toi. Un drone qui a été lancé. Ah, mais il y a un truc d'achat juste là. Mais les mecs ils se sont barrés maintenant. Y a un drone qui a été ça tire lancé encore. Sur la zone où je t'ai montré, donc ça sert plus rien. Ils l'ont pris. Ça tire encore là. Dans le bâtiment. Et il faut que tu te planques de ouf. Et là j'ai plus aucune idée pour toi. Attends, mais. Y a pas un buisson, quoi. Non, là c'est pourri la zone. Bernard Lermite coûte 1k. Sérieux? Ah, bah je les attraperai la prochaine fois, je savais pas. Ils sont partout. Ils vont surveiller le truc. Ouais, attends. La zone est petite. On est sur la fin, attends. Il y a plus que 25 équipes. On est plus que 45. Non, il y a plus que 25 personnes. Plus que 45. Ah ouais. Du coup, je suis plus dedans. Et voilà. On est là. Attends, je suis au truc pour te revive. Un cal Bernard l'ermite, c'est nice. Il est là. Il faut un temps, non, pour revive quelqu'un. Non. Non. Ok. Alors il va falloir que je sois safe pour le... Viens. Ils viens avec moi. Ils vont me niquer au vol. Non, c'est bon, ils se barrent tous, là, je suis au bord de la zone. Moi je vais un peu en arrière. Ok, je vais pas te viser toi directement. Y'a personne. Je te vois pas, on est d'accord. Je vais pas sur toi directement. Ouais, de toute façon y'a plus rien ici, donc dès que t'arrives on se casse. Ah, y'a une caisse là-bas. Non mais tout le monde se barre en fait. Y'a un hélico qui passe. Vas-y, je vais essayer de choper l'hélico en plein vol. Okay, je suis sur les toits d'un bâtiment. Dommage, j'ai raté. Je sais pas s'il y a des gens, je pense que oui. C'est moi. Non, hein, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je t'ai dit que j'allais pas vers toi directement, au cas où. On t'aurait pu, je suis tout seul. Oui, mais c'est bien. À ce stade-là, c'est bien. Ok. Le but c'est survivre, hein, on rappelle. Ouais. Oh. Attends, y'a un mec au-dessus de toi en parachute. Y'a du mouvement. Y'a du parachute aussi? Ok, faut que je me fasse vite. Faut que je me réarme très rapidement et que je me casse. Merde! On m'a tiré dessus derrière. T'es mort ou pas? Non. Ok. Je commence à me réarmer, je vais arriver vers toi. Je reviens. J'ai pas de bouclier. Chut. Mais attends, ça, il se tire dessus. Merde, j'aurais pu l'avoir. Tu vois des gens? Tu me vois? T'es derrière moi. Y'a un mec par là-bas. Je les vois tirer. Y'a un mec là. On avance. Oh chaton. Je l'ai eu. À terre. Ok. Je sais pas si on peut tirer parce que clairement on est en train de. Je l'ai eu, il est mort. Et là c'est la première fois. Je l'ai tué. Il y en a un deuxième qui attend, il est où? Nickel. Par contre, on reste pas là s'il te plaît. Jamina, je l'ai tué, Jamina. Ton arbre il te protège pas, j'en ai si, vu. Si, je vois le deuxième, je vois l'autre. Ah, laisse, c'est bon, je les vois. Team complète. Clairement, il faut pas rester là. Il est derrière le truc là-bas. D'accord, je viens. Ah, ça tire. Ok, on recule chaton, recule. Oui, c'est fait. On prend le bâtiment, on prend des choses, mais... Non, prends-toi, moi je suis déjà blindé, moi. Prends-toi ce que t'as besoin. Et on y va. Moi je me remets bien, là. Ok, bah... Il y a la zone qui arrive, il va falloir qu'on bouge. J'aime pas trop l'idée qu'on se le joue solo, tu vois. Non, je suis pas solo, je suis juste à côté de toi, je te protège, meuf. Soldat ennemi en approche. Attends, ils sont où? Ok, il faut qu'on se casse. Je viens dans ton bâtiment. Je suis pour protéger une zone. Non, on se casse là, la zone elle arrive. Ouais, non, je suis pour protéger un élément dans cette zone. Parce que là, jusque là, on a eu beaucoup de chance. Il faut être sincère. Tu viens? Beaucoup de chance. Tu me suis ou pas? Je te suis par les airs. Je suis au-dessus.
Non mais il faut se barrer de là, la zone arrive. Ah mais je te vois. Par contre il faut quand même éliminer. Sur quoi tu tires? Bah le mec là-haut. Tu l'as vu le mec à ta droite? Chaton, lève-toi. Y'a personne qui me tire dessus là. À ta droite. Qui ça? J'ai pas compris. Je tirais sur le mec qui est parti là-haut. Se protéger. Y'en a un autre. La zone est là hein. La zone est... C'est allez. Ce que j'arrête pas de te dire hein. Et ça je le sais. Jusque là ça allait. C'est même pas ça, c'est je voulais protéger la sécure. Ah ok. On n'y est pas, on n'y est pas. Monte là. Protéger la sécure. Est-ce que cette phrase a du sens pour vous? Pour moi non ça a pas de sens. Regarde Discord, je sais pas si tu l'as vu celui-là hein. T'es bon, t'es là? Je suis là. Ok. J'ai perdu de la life, mais ça va. Ah. Merde, tu pourras pas monter avec moi là. Là où je suis, c'est impossible de monter là maintenant. Putain, j'ai par contre, il faudra que je reprenne un peu de bouclier. Je vais choper un truc et. C'est le bordel ici. Attends, y'a un mec qui revient là-bas. Ok, j'ai chopé les spots de quelqu'un d'autre. Ouch. Chaton, t'es en solo. Ouais, je le snipe. Oh, c'est bien, je l'ai gêné pendant qu'il essayait d'utiliser son radar. Comme ça, il t'a pas vu. Sur le moment, en tout cas. Ils ont fermé la porte, ces connards. C'est trop le bordel là, c'est une fourmilière ce truc. Et ça, la zone, le truc, tu veux dire que le fight final, il va être là-dedans. On est 17. 17. Franchement, la fourmilière, on a trouvé mieux comme. Mais le sniper, c'est clairement pas la meilleure arme là pour moi. Bah là, non, c'est pas bon. Putain, il faut que je me casse. Faut que j'avance. Je vais avancer avec le gaz, je pense. Par contre, mais... cours pas. Tu fais du bruit. Ouais. Le but, c'est de. Y'a le gaz derrière moi, tu sais. Y'a le gaz dans mon dos, tu sais. Oui, c'est vrai que la zone se rétrécit. J'avais pas encore vu. Faudrait prendre de la hauteur, mais ils l'ont déjà fait, ils ont tous les spots. Ils sont tous là, ils sont tous là, ils sont tous là. Ouais, ouais. T'en fais pas, je les ai vus bouger. Mon objectif là, c'est de rester sur le bord. Merde, je suis pas à l'abri là. Derrière les trains, là, je suis pas trop mal. Là, y a de quoi recharger. Y'a du bruit. Merde! J'avais que des snipes! Et l'enculé il m'a pas vu hein! L'enculé il m'a pas vu! Mais toi, dès que tu repères où la zone se rétrécit, à deux, tu prends les hauteurs. Mangouste, c'est la seule stratégie qui marche sur ce jeu quoi! Ouais! À deux, je l'ai déjà fait, je suis arrivé 12ème trop facilement en solo! À deux, on a terminé 8ème, ça va! J'ai éliminé 3 personnes! Sur ce jeu. Yes! Bon allez! GG à nous. Vie. Bon, de toute façon, 23h22. Si tu veux en refaire, on est 5. Peux, mais c'est ma dernière. Ouais, pareil. Sinon, tant pis. Pareil, pareil. Ouais. Après, j'irai dire bonsoir à Batacha et à tous les moustachus qui squattent là-bas. Bah, écoute, on fait ça. Par contre, si c'est une dernière pour faire top 1, je vais peut-être être fatigué sur la fin. Non, ça va vite les parties. Bah, si on meurt aussi vite, oui. Enfin, en tout cas, pour mon cas, j'ai l'habitude maintenant. Le pire, c'est qu'on est parti en trio, mais que y avait personne. Bah, ouais, c'est ça, on s'est retrouvé en duo. Pourtant, le duo n'existe pas. Ouais, ou le mec a quitté tout de suite. Chaud. Bah, écoutez, les moustachus, vous avez 30 secondes pour vous présenter. Non, il y a personne. En ligne 2 sur 6. Y'a Son qui s'amuse à. Les moustachus. S'amuse bien, Son Draco. Pourquoi pas?
Mais ça, c'est pas un terme, c'est un seul mot en général, Sun. Pas une phrase. De quoi? Mais je suis désolé, je peux pas faire tourner les deux en même temps, pardon. Ah, mais du coup, tu me fais une vue de moi? Oui, tout à fait. Ouais. Je fais un modérateur de moi-même. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est pas grave, t'inquiète pas. Le. Oui, ouais, je... T'inquiète pas, ça me fait partie de mon petit kiff aussi. Les. Le. Oui. De toute façon, là, le début du mois de mai, c'est un petit début. Hein. Je peux te le dire. Il y a un petit relâchement général. C'est ouf. Il y a une pluie de cadavres. Il n'y a pas d'armes ici de toute façon. T'es où, Mangouste? Il me snipe. Attends, je vais te sniper aussi. Je les vois pas. Mais tout le monde snipe tout le monde, mais. Oui, tout le monde a un snipe. Oh! Où le bâtard qui m'a snipe? Ah, je suis mort quand t'as vraiment une fournette de façon ridicule. Et le pro du snipe, c'est chaton! Merde, reviens là, toi. Contre le snipe, y a pas mieux que la mitrailleuse, quoi. Merci, Sané. Plus ça va, plus ça rebond de ça. Un ennemi atterrit dans la zone. Là, j'ai appris à faire un pouce. avec. Quand on snipe, ça marche pas. Il y a des cadavres qui tombent. Une mitrailleuse à travers une fenêtre et là le snipe tu l'as direct. Toi, il y a quelqu'un qui vient avec moi là. Il y a des gens dans mon bâtiment. Pas monter. Ah, je suis un italien qui m'a niqué. Bien joué, il m'a eu. Mais je l'ai eu aussi. Attends, je l'ai eu en même temps ou pas? Non, je l'ai pas eu, punaise. J'ai trop envie de prendre ton arbre à clochette. Non, ça n'est. Tu laisses mon arbre à clochette tranquille. Ah d'ailleurs, ça n'est, les arbres à clochette, quand tu les prends, tu les détruis après. Hein. Ah, j'aime pas cette arme, ok. Ah bon bah Blizzard, il a dit fuck it. Qui a dit quoi? Fuck it. Ah, t'es pas déconnecté toi? Ton jeu a pas crash? Mon jeu à moi? Ouais. Ah bah non, je suis encore en jeu moi. Moi il m'a dit serveur déconnecté. Ah moi je suis à 9 secondes de jeu. Oh, ils m'ont niqué en parachute. Ah, je déteste quand ça fait ça. Ouais. Bon, laisse tomber. Ah, je vais Mangouste, je vais... Ah, le louveteau. Laisse tomber, Mangouste, je vais arrêter là parce que le battle.net a décidé de me crash le jeu. Oh, bah attends, je quitte et j'arrive sur le live, je reviens. Attends-moi 2 secondes. Bon, c'est une faille de la partie, je quitte le game, je quitte Viet 0872, t'étais un bon gars, mais salut. Ouais. Attends, on va aller pranker Batacha. Fiat 18-08-72, je vous invite si vous avez l'occasion de jouer avec lui, clairement, il est bon. Voilà. Tu m'entends encore, Satan? Ouais. Attends, on va pranker Batacha. J'arrive sur ton live. Je reviens et bah, je vais mute du coup parce que je n'ai plus aucun intérêt à être là. Donc je te laisse ton live. Vu qu'ils sont tous sur... Je vais voir un peu qui est chez Batacha là dans le live. Je suis Jai, il y a le bad gun normal. Y a... Floppy, ouais, pourquoi tu fais un truc qui passe dans la montagne en dehors de la montagne? Oh, désolé pour ces games pseudo-bonnes. C'est Espace sur Valorant. Je m'en vais. La bonne soirée à tous. Attendez. Des bisous. Attendez. Bisous. De quoi? Si je fais comme ça... Ah voilà, ça y est, vous avez le grand Batacha en live. Il fait quoi? Ouais, joue à Valorant. Bah tout le monde passe dessus, hein, c'est le jeu à succès du moment, quoi. Bah oui, Batacha, évidemment. Pourquoi tu ferais pas un truc qui passe dans la montagne? Ouais, Kitsune, elle aurait pu rester, ça aurait été drôle.
Je vais changer le titre du live, c'est On espionne Batasha. C'est trop bien ce que tu vas me dire. En fait, on va creuser là-dedans. Et puis on reviendra ici. Je vais m'amuser un peu. Just setting. T'as géré. Attends, on va assainir ici le terrain. T'as grave géré. On va faire un truc ici. On va faire un truc comme ça. Mais en radio chaton, ce sera mieux. Mince. Ça demande de la réflexion, hein. Ça, ça demande de la réflexion. Par contre, Discord plugin, il n'y a pas de visible, voilà. Pas de soucis. Mais c'est pas la bonne musique que j'ai mis en pause. Une petite plateforme, un petit coin de chill, un petit salon, quelque chose, on sait rien. Re. Je visualise très bien dans le futur, moi. Et on va descendre les escaliers. Simplement. Ah, mais attends, la dernière fois, vous m'avez demandé de. Bouger mon truc. Ouais. Ça va ? Ouais, mais ça. Attends, je passe ma tête ? Ça m'arrive aussi. Hein. Ah, ok. Ça m'arrive aussi. Parfois, re, mon goût. Franchement, il y en a des fois des créatifs, mais la majorité du temps. Mardi 20h, Warzone avec chaton, demain bientôt un nouveau jeu, D3. Ah, il va faire D3 avant moi, ils sont 7. Ouais. Attends. Coucou. Comment c'était pour vous? Le fameux judicieux. Je sais pas s'il est encore follow à ma chaîne, en tout cas il est jamais revenu lui. J'aimerais bien, mais j'ai un Dell, il supportera pas, je pense. Ah ouais. On va faire les jeux Switch. Ah bah oui. Il faut une carte d'acquisition. Un boîtier d'acquisition, ouais. Et du coup, c'est de l'argent. Salut Kagelou, comment tu vas? J'espionne un post streamer. Continue pour l'instant. Demain on live avec lui. Trop bien. Yeah. Pire son pseudo. Ah, tu sais quoi, je suis Jade. Il est venu se follow chez moi. Je te jure, il est venu se follow chez moi il y a quelques jours. Eh, salut chaton, comment tu vas? Ah, ouais. ça y est, il m'a vu. Chaud. Comment ça va, Kagelou? J'ai vu qu'apparemment t'avais fait un peu de Warzone là tout à l'heure. Moi je suis chaud, j'ai hâte. Du coup, Jade, ouais, t'as vu les trolls, ils vont chez toi, chez moi. On se va voir tous les deux. On parlait des pseudo-trolls. Chaton des Hello. Ceux qui viennent avec un pseudo, avec une insulte dedans, et tu le lis à voix haute et tu te fais avoir. Et c'est super marrant, hein, tout le monde rigole. Ce genre de pseudo là. Du coup, là, le plan, je vais vous montrer. On va descendre ici dans la montagne. On va faire un escalier. Ah là là. Ouais, c'est vrai que les pseudo-trolls, c'est relou. Attendez, je le baisse un peu. On va tenter du moins. On va tenter. Ouais, après ce soir, je suis hyper motivé à vous chasser demain. Mangousse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, j'attends, comment ça va? Ça va très bien, Kagelou. Et toi, comment tu vas? T'as repris le boulot? Oui, le boulot, hein. T'as repris le boulot? Quand, chaton, quand du smash? On va bien s'amuser, tu vas voir. Ça va bien se passer. Samedi 16h. Ne réécris pas, Rotor, le pseudo. Ne le réécris pas, ça sert à rien. Si tu comprends pas, ça ne sert à rien. J'en ai eu plein, mais je suis ultra gaffe maintenant. Ouais, moi j'avoue que je suis très distrait, donc. Comment dire? Les pseudos bizarres, je les lis et j'essaie de faire exprès de le lire d'une manière un peu mieux. Tu vois, comme ça, si ça veut dire quelque chose, je l'ai mal dit. C'est une technique comme une autre. Bon. De quoi samedi 16h? J'attends après ce soir. Hein. Ouais, ça va être très drôle, mon goût, de faire ça. Lance un raid, chaton. Bah non, vous êtes que 4. Un raid à 4, ça m'intéresse pas trop en vrai. Je suis habitué maintenant à faire des raids à 7, 8, 9, 10. Donc je fais plus les raids à 4, 5. Là, on est en petit comité. C'est pour ça que je me permets d'aller squatter le live de Batasha en live avec vous. On fait un contre-live ici. Voilà, c'est ça. Parce que c'est la vie. Et on a. Eh, mais ça va en fait. Y a que Floppy qui est là-bas. Chaton te voit. Non, dis pas non, mais balance pas, Mangouste.
Mangoose qui balance chez Vatacha, sacré gilocine. On va regarder à combien. Non mais c'est bien. Genre là. 91 c'est là. D'accord. Ok. Du coup il faudrait que ça revienne. Oh, bien joué Mangoose. On est à du 89. 89, 1, 2, 3. Mangoose. Bien joué, Mangoust. Merci, j'espère que tu vas bien, mec. Petite Mangoust. Troisième mois déjà. Mais... Tu as dit de me rendre mon VIP. Quoi ? Bienvenue à toi, merci beaucoup. Merci du soutien. C'est Chanty. Avec un CH. C'est Chanty. Ton VIP ? J'ai de la chance, mais mes modos me préviennent un peu et on les banne direct. Ouais, moi, mes modos, ils sont pas trop attaqués là-dessus. Malheureusement. Peut-être que je suis trop rapide pour eux. Ou une pioche. Merci beaucoup. Les gens, vous allez bien. Ça va, Kagelou? Tu nous as pas entendu tout à l'heure quand on te parlait? Ça faisait longtemps, un petit sub. Il y a Sané qui veut faire un live Animal Crossing. Oh là là. Ton VIP. Mangoose me l'a retiré. Sur un pari. Lol. Il a fait un pari avec nous, avec le stream. Enfin, juste avec il a pas accès. C'était dans Zelda. Il y a un PNJ dans Zelda, tu peux aller le voir. Ce oh là là. Tu payes des rubis. Et dans un coffre, il y a un seul rubis. Dans un autre, il y en a 100. Dans l'autre, 300. Et voilà. Et il a parié son VIP et il a perdu. Mon collier Denis. N'importe quoi. J'arrive pas à suivre. Que du love, bien sûr. Évidemment, mon goût. Je vais trouver quelque chose pour. C'est quoi l'histoire avec le Bad Gun? Je suis pas au courant. Petit pouce dessus, bien sûr. Yes. Tu puisses regagner ton VIP. Je ne sais pas quoi encore. On va y réfléchir ensemble. Un petit défi, quelque chose. Mais Batacha peut pas le remettre. Ah, mais Sonoraco, il est là aussi. Il refuse que je défie. Oh, c'est triste pour le. Ok, Kagelou, tu étais sur un autre streamer. Village. Depuis tout à l'heure, j'étais pas sur le bon live. Ah, t'étais où, Kagelou? Je pense pas que c'est Kayad. Ah, j'avoue, ça aurait fait du bien que tu viennes avec nous, Kagelou. Oh. Merde, je sais plus ce que je disais. Tu as un oh là là dans les Worms. Ah oui. Ça sonne bizarre aussi. Oh là là. Je vais rechercher de la bouche. Comment c'est? Je sais plus faire le vol de oh là là. Oh là là. Un petit bâtiment. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ce que je réapprends à construire dans Mine et à donner du volume au bâtiment et pas juste faire des trucs carrés. J'avais les commentaires de ce live, mais sur la chaîne de Zerator. C'est bizarre, Kagelou. C'est un bâtiment qui est plus beau que pratique. Enfin beau, je sais pas. Du coup, j'ai mis plein de trucs, donc il y a plein de volume dessus. Mais voilà. Bon, il va falloir que je tue de l'animal là. Non, Mangouste, je pense pas qu'il ait le temps. Les commentaires de ce live sur mon téléphone et sur ma télé. Ah, ok, d'accord. Mais c'est bien, tu devais déjà connaître Zerator alors. C'est un peu moche de ce côté-là. Attends, je peux venir sur le Discord pour le fun. Ouais, vas-y, viens, Sonoraco. Petite pièce ici, je vais mettre d'autres coffres. Viens alors, on est en mode. Et me dire le nom de ton live. Et t'as vu Floppy? C'est pas beau, mais. Ouais, Senae elle est trop contente de son Animal Crossing. Ça, tu triches. Comment ça, je triche? voilà. Je parle trop. On va faire de la bouffe. Bonjour. Ça va, Son? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Bon, booster. Bon, je suis abonné à sa chaîne depuis 3 ans, mais j'ai jamais regardé Twitch depuis un live sur Fallout. T'es abonné à sa chaîne ou tu es follow seulement, Kagelou? Alors, qu'est-ce qui se passe, Sonoraco? Je veux juste dire miaou. Ah, vas-y, dis miaou. 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 C'est la fin de live n'importe qui tourne n'importe comment. Merci, Sonoraco, de ton intervention, c'était mignon. De rien.
Ça va? T'étais sur le live de Patachat tout à l'heure ou pas? Non, je le... Ah, tu viens de Tique? Ouais, j'ai cru. C'est bien. Pour avoir la participation. Ouais. C'est très fun. C'est très drôle, hein. On refera ça des fois, des espionnages de live pour rire. J'attendais à l'autre, toi tu fais l'avion. Comment ça je fais? Ah! Ouais, peut-être. Dans quelques années, on espionnera Squeezie, lol. Ouais, j'avoue. Ah, c'est vrai que le Bad Gun, le pauvre, ça fait un bail qu'il veut faire du Smash avec nous, mais il peut pas parce qu'il a pas les bonnes horaires de Smash le samedi. Mais il est trop fort. Ah, j'ai jamais joué avec lui donc je sais pas. Enfin, il dit, c'est pas qu'il est fort, c'est juste qu'il. Une fois, j'ai fait un. Avec son Link, c'est... il joue différemment. Ouais. En même temps, Kagelou, t'as oublié le sucre dans ton porc au caramel. C'est un Link qui joue. D'accord. Ah, oh, ouais, c'est un Link enfant. Bon, je crois que. Smash à 3, il peut perdre. Oui. Je suis pour terminer mon niveau sur Mario Maker. Ouais. Au fait, je vais stream talk le live demain. Stream talk. Vas-y, Mangouste aussi, Floppy, elle est chaude pour stream talk le live demain, donc vas-y, hein. En vrai, un plaisir. Pas participant, mais comment je crois que je vais faire une nuit blanche Donkey Kong contre lui. Sur le campo pour être sûr. Sur LOL, Super Kegel. Nintendo. Donkey Kong. Ouais, Donkey Kong Super Nintendo. Il était trop bien. Sauf que je suis trop nul. Ouais. Aide-moi. Merci, Jade, toi qui es un vieux joueur. Si. Non, je suis pas joueur moi. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Ouais, allez, on va arrêter d'espionner le petit Batacha, mais bon, vous voyez la fonction de son live. Je sais pas. Mais il est beau. Il est beau. Oui. Par rapport au serveur de Minecraft. Ah, il me répond. Est-ce que tu as dit quoi? Et sur le live, mais j'ai retiré le son pour pas. C'est peut-être mieux d'attendre la 1.16. Bien sûr. Pas avoir mal à la tête. J'ai. Sinon, tu viens quand dans ma tombe? Jamais! Mais pourquoi? J'ai mis un petit coussin dans le. Comme ça, tu te sens bien. Ah là 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 là, tu veux finir en chill? Tu veux faire du Animal Crossing? Ouais, non, tu veux jouer à ma place? Tu veux faire le live à ma place? Ça y est, moi je vais faire ma pause, dormir, dodo, tout ça. Non, non, il est tard. T'es bien sûr de ce que tu me dis là? Ou alors le dimanche? Attends, je vais. Dimanche, ça n'est attends, il y a Batacha qui me parle. Batacha, je te réponds en live, j'en suis sûr, je te fais ce que tu veux sur ton serveur. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quoi? Ah non, mais je vais pas lancer Animal Crossing c'est maintenant. Quoi? Si? Mais tu voulais juste me montrer ton bonnet, c'est ça? Comment? Tu voulais me montrer ton bonnet, c'est ça? Bien sûr, tout. Sûr, ça va me donner des idées. Bah pourquoi tu ramènes la console là? Ça va me donner des idées. Oh putain, il m'a fait super peur ce quoi squelette. Je l'ai vu tracer. D'accord. Là, j'ai... Je comprends pas ce que. Eh, hein. Hey, tu m'as ignoré quoi, Floppy? Non, je t'ai pas ignoré. Mangouste et la team de Stream Talker, yes. Est-ce que Sané elle travaille dimanche? Ouais. Bah non, personne ne travaille dimanche, ça me raconte. Ah ouais, c'est vrai, donc elle peut live Animal Crossing le dimanche. Le problème c'est qu'elle sera plus là à partir de mercredi. Ah, pourquoi? Bah elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Ah. Elle a une maison aussi, tu sais. Wally Walou. Est-ce que tu chez toi? Il y a Sun qui disait elle peut faire un live dimanche. Est-ce que Sané elle travaille dimanche?
Je disais, ouais, mais de toute façon, là, elle va rentrer chez elle. Chez moi. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Floppy? Ah, il a plein de torches. Bon, on va laisser tranquille le petit Batacha. On va. Arrête, on est 7. On est 7, sérieux? 6? Bah, moi, je vois 7. Moi, je vois 3 personnes, hein. Attends. Moi, je vois 7. On est 6. Moi, je suis en train de regarder aussi. Oui. Vous voulez faire un raid quand même à 6? Vous êtes tous chauds, les gens? C'est mieux que rien. C'est lui qui est 7, hein, tu sais. Vous voulez faire le raid de la fin? Bon, bah, dans ce cas, les amis, allez-y, je vais lancer le raid. Hop là. Là, on est sur mon live qui regarde son live. Attendez, c'est du Inception de live. raid. Hop là. Ah, on est 9 maintenant. Tiens, c'est bizarre. Il y a trop de monde. Ah, on est 7. Attendez. Je sais pas. Vas-y. Allez. Voilà. Je lance le raid. Les amis, le temps que le raid se lance, je vous souhaite une bonne soirée. Je remets. Non, c'était pas bon. Bisous. La Zikmu. On se retrouve demain à 14h30. Oui, exactement, Kagalou. On se retrouve demain à 14h30 pour Link Awakening et 20h le stream avec Batacha en team sur Warzone. Voilà. Des bisous à tous, à demain. Merci pour ce petit live de ce soir, c'était sympa. Plein de bisous. Oui, spammez les cœurs et les emotes de chaton dans le chat. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Je fais un toast avant le live. Vas-y, vite. Miaou. Miaou. Allez, à demain. Ouais, j'entends, mais... J'ai envoyé tout le monde. Et pour celui qui reste, celles et ceux qui restent avec moi, je vous souhaite aussi une bonne soirée. C'est une fin de live, les amis. Au revoir. Au revoir.